told you this before, but you outshine the sun. The type that I've been looking for, I've seen you inside my dreams. So baby, come a little closer, know that you are the only one. I wanna see your body move, don't be afraid. Baby, keep the lights on, baby, keep the lights on. So can we keep the lights on? I wanna see you. This world can be an ugly place. Sometimes it brings out the worst in us. But when I see your pretty face, it all fades away. Yeah. Let me climb up your mountain. Let me search through your valley. Feels so right, the burning up was shining bright.
Bonsoir, bonsoir à tous. Hello, comment ça va? Bonsoir. Comment vous allez bien? Bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue pour cette petite finale de Perfect Match. Je sens que ça va être fort en émotion. Comment vous allez bien? Comment ça va? Coucou Maléaëlla. Comment vous allez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir, choublabla, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que du coup, on ne s'est pas vu hier. Mais il faut sachez que la production s'est dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir un autre épisode et qu'on allait se perdre un petit peu, qu'on n'allait pas apporter plus à l'histoire avec un autre épisode ou potentiellement de nouveaux étudiants. Quoi ? De nouveaux candidats rentreraient dans la maison, etc. Sachant que là, les couples sont solides. Enfin, on va voir avec les ex. Mais en tout cas, ramener de toutes nouvelles personnes, ça aurait pas été l'idée du siècle, à mon avis, et ça aurait pas changé grand-chose. Donc, bah, finalement, mauvais calcul de ma part. Un épisode en trop. Mais merci beaucoup, Tom. Putain, 17 mois, wesh. Comment ça passe trop vite. Merci beaucoup. Kaku, kaku, bien sûr, évidemment. Comment tu vas? Et merci infiniment pour ton resub. J'ai vu toutes les résibs, je peux enfin voir en live. Ah mais parfait en plus. Voir tout comme ça et être là pour la finale, c'est parfait. Attendez, je remets la chanson. Et non Maïs, t'inquiète pas, on va encore l'entendre demain, puisque demain, ça sera la réunion. Ça sera The Reunion, où si vous êtes un petit peu familier et familière avec les émissions de télé-réalité Netflix et tout, généralement, il y a un épisode qui se passe après le tournage, genre un an plus tard ou quelque chose du genre, et ils refont un petit point sur l'aventure qu'ils ont vécue, mais aussi sur ce qu'ils sont devenus, s'ils sont toujours ensemble, etc. Et du coup, ça sera ça qu'on fera demain soir. Donc en soi, il reste deux épisodes, mais c'est le dernier dans la villa avec cette ambiance et les swimming pools, les soirées swimming pools, etc. T'as hâte de voir de mes potos préférés rester potos. Merci beaucoup Léa pour ton prime. Merci infiniment. La petite page, je passe le bonjour. Je vais pas rester. J'ai une petite fête de famille. Super. Je regarderai donc cette finale en rediffusion. Ça marche. Faites les bons choix. Ouais. Là, j'ai envie de vous dire, il y a encore quelques petites choses entre vos mains. Tout ce qui est bonus, malus, etc. Mais en vrai, c'est surtout entre les mains des candidats. C'est surtout entre les mains de nos chers couples, de voir si oui ou non ils vont s'emporter vers la victoire ou pas. Ça, c'est un autre débat. On va voir déjà comment ils vont agir avec leurs ex. Parce que oui, les candidats ont beaucoup de choses en main pour cette finale. Ouais, c'est vrai, plus que ce que j'avais imaginé, mais ça paraît plus logique en fait. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais là, lors du dernier épisode, donc pas hier soir du coup, mais on est quel jour là? On est samedi, donc jeudi soir. Vous avez fait le choix de faire rentrer les ex dans la villa, donc l'ex de Summer et celui de Raphaël. Enfin, celle de Raphaël plutôt, pour le coup. Et celle de Raphaël. Et donc, aujourd'hui, vous rentrez dans la villa et essayez de casser les couples. Les couples, aux dernières nouvelles, sont donc Raphaël et Lucie, Summer, Isaiah, Quentin, Vanessa et... Rémi, Célina. Putain, j'allais oublier Redlina. Donc, si vous voulez les appeler par leur nom de ship... Et les mettre sur les réseaux sociaux, en mode hashtag Twitter, hashtag Kenessa, hashtag Ratlina, hashtag Somaya et hashtag Rafusi. Rafusi, il est pas beau celui-là, je suis désolée, il faut dire les termes. Entre les mingles, les 50K, c'est déjà plus raisonnable. Votre chiffre, ah mais Rafusi, le nom me termine, hein. Rafusi, Kenessa, Samaya, Ratlina, quoi. Et ouais. Je vais passer en jeu, comme ça, je vous allez les revoir un petit peu en tête. Ouais, Kenessa est revenue d'eux-mêmes, totalement. C'est pas du tout ni le chat, ni moi qui avons fait quoi que ce soit. Ils sont revenus de par eux-mêmes, l'un vers l'autre. Je pense qu'ils avaient besoin un petit peu de tester leurs affinités, pardon, avec d'autres. Mais au final, ils sont revenus l'un vers l'autre, quoi. Ratlina, zéro vote. Ah ouais, non mais c'est fou, ça. Comment c'est possible? Vous croyez pas en Ratlina? Attendez, je vais mettre un petit peu de musique par là. Voilà. Et on va passer en jeu, je vais vous montrer un petit peu les couples et où on en était in the game. Pourquoi ça me dit ça? Ah, faut que je me mette comme ça? Ah, peut-être. Non, parce qu'il faut que je me mette là. Oh là là, pas professionnel cette go, hein.
pas professionnelle. Et en plus, elle est pas centrée. Coucou Plouf, je pourrais pas être là ce soir, moins plein de bisous. Bisous, passe une bonne soirée. Petit sondage en cours pour connaître votre chiffre. Ouais, n'hésitez pas à voter. Vous êtes timide ce soir. En vrai, je vais repartir car j'ai pas regardé les rediffs encore, donc je vais rien comprendre. Ouais, j'avoue, Coetis, je comprends. C'est vrai qu'au final, Rafsi, ça marche aussi. Hein. Rafsi, ouais. Rafusi, ça me fume. Mais du coup, attendez, je vais me mettre comme ça plutôt. Donc vous avez Isaiah, vous le voyez en petit ici parce qu'il n'est pas sur le terrain, qui est donc avec Summer. Bon, leur relation a un petit peu baissé récemment, là. 51-78, ils étaient à plus haut que ça à une époque. Mais bon, voilà. Vous avez Célina, donc juste ici, avec Rémi. C'est intéressant de voir qu'ils ont que 49% de friendship, mais 100% de romance. Techniquement non, parce que faut le début du prénom et la fin de l'autre, mais bon. Pourquoi ? Pour Rafsi ? Ouais. Bah si, c'est la fin de Lucie, mais c'est vrai que ça fait un peu... Rafsi, c'est plus facile à dire en plus, mais c'est pas très beau à l'oreille. Donc ouais, c'est intéressant de voir qu'ils sont absolument pas proches, les deux là. Enfin, ils sont pas proches. Qu'est-ce que je dis ? Ils ont 100 de romance, mais ils sont qu'à 49% de friendship. C'est une dynamique assez intéressante, je trouve, parce que c'est pas le cas des autres couples. Par exemple, du coup, Quentin, qui a priori au travail, avec Vanessa, bon, alors là, vraiment, 100%, quoi. 100, dinguerie. Et du coup, Summer et Isaiah, 51-78. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je disais, ça a pas mal baissé. Ah oui, et Raph, du coup, et Lucie, eux, bon, par contre, c'est un peu l'inverse. Ils ont 100% de friendship et 77 quand même de romance, ce qui est pas mal non plus, hein, on va pas se mentir. Quentin t'a dit de prendre des jours de congé. Mais oui, j'ai encore oublié de lui faire prendre des jours de congé, purée. Il aura vraiment pas pris de temps pour son émission de télé-réalité, lui. Hein. Il avait pas le tang. Ça fait racine comme le pain. Racine, ouais, ça marche pas. Lucael. Ah ouais, Lucie, Raphaël, Lucael. Ça sonne pas bien en fait, leur nom de chip est nul. Coucou Ligulov, comment ça va? La finale est arrivée, oui. Nous allons voir qui va matcheg ou pas matcheg. Ça fait assez comme le pain, ouais. C'est son dernier, je crois. De quoi? Ça c'est son dernier, je crois. Super. Donc voilà, donc vous avez décidé, enfin nous avons décidé de faire rentrer les ex dans la villa. Et si vous vous souvenez bien, c'était donc Quentin et Vanessa qui avaient gagné le défi de compatibilité. Donc en théorie, c'est eux qui ont décidé de faire revenir les ex. Et bon, moi je vois pas vraiment Quentin ni Vanessa faire rentrer les ex d'une manière malicieuse. Je pense que c'était plus... plus bienveillant, donc parce qu'en fait regardez la relation entre Quentin et Raphaël, elle est dingue. Attendez, je suis avec Quentin là, ouais, regardez, ils sont à 100% de friendship, ils sont besto, genre je sais pas quand ni comment ils ont fait pour se rapprocher autant, mais ils s'adorent, ils s'aiment trop, une vraie bromance en effet. Et du coup bah je voyais pas du tout Quentin ou Vanessa dire bah on ramène l'ex de Raphaël d'une manière malicieuse. Moi, je pense qu'ils ont voulu ramener l'ex de Raph parce que, du coup, Vanessa est un petit peu, a passé un petit peu de temps avec Raphaël, comme vous le savez. Et du coup, bah, Quentin aussi connaît bien Raphaël. Et je pense qu'ils sont venus d'un commun accord que Raph, en fait, avait besoin de closure. Il avait besoin de revoir cet ex pour vraiment tourner la page et se libérer de quelque chose en espérant pouvoir, après, avancer avec Lucie. Parce que là, c'est vrai que bah voilà, il y a vraiment des difficultés à s'ouvrir, on l'a bien vu, hein, Raph avait tendance à être assez silencieux dans la chambre avec Lucie, etc., si on l'aidait pas un petit peu, et ça viendrait donc, et on savait aussi qu'il avait tendance à friendzoner beaucoup, donc ça viendrait peut-être potentiellement de cet ex, c'est pour ça qu'ils ont décidé de la ramener, pas d'une manière malicieuse en mode on va séparer son couple, mais plutôt en mode on va essayer de l'aider à passer outre ce petit différent avec cet ex, quoi. On peut avoir la bromance quant à Raphaël qui gagne. Trop chou. Coucou Bouki, comment ça va? Donc voilà ce que je me suis dit, ce qu'on s'est dit avec Marianne, qui m'a pas mal aidée sur cet épisode et sur le prochain qui va arriver demain.
Et du coup, Summer a également son ex qui revient dans la villa. Donc, c'est Chris qui est juste là. Et j'ai finalement décidé d'envoyer Summer en date avec lui. Et pareil. Alors là, je sais pas trop si c'est malicieux ou pas. Je pense pas, connaissant du coup Quentin et Vanessa. Après, ils sont pas forcément très proches de Summer non plus. Mais quitte à faire rentrer quelqu'un, pourquoi pas faire rentrer Chris, sachant que Summer Isaiah, c'est un petit peu une menace, entre guillemets, pour eux, pour remporter le titre de match parfait. Donc, pourquoi pas essayer de créer un petit peu un mouvement, même si je pense pas qu'au fond, ce soit forcément méchant. C'est une PNJ, les cheveux roses. Ouais, ouais, c'est Elphaba, bien sûr, mais elle est pas dans toutes vos games. Elle est insupportable, puis il y a Naito aussi. Voilà, il faut partir. Naito qui essaie vraiment d'avoir son petit moment de gloire dans les let's play. Mais Naito, tu n'as pas été choisi par le peuple, voilà. La Vanessa, elle déteste pas Summer, de toute façon. Non, non, non. Non, non. Vanessa ne déteste pas Summer. Elle est où, Vanessa? Non, ça, c'est Lucie. Pourquoi à chaque fois, je les confonds? Non, non, elles se détestent pas. Elles sont pas giga besta, mais... ça se déteste pas, quoi. Voilà donc pour ça. Donc, du coup, nous avons juste ici l'ex de Summer. Est-ce qu'il est pas trop BG? Il voulait rentrer, mon prof chouchou, mais oui. Naito, on t'aime, mais pas assez, j'ai l'impression. C'est une romance négative. Comme celle-là, elles ont dû... il y en a une qui a dragué l'autre et l'autre n'a pas apprécié, quoi. Un truc du genre. Donc, ouais, on a notre petit Chris ici qui va donc revoir Summer après leur rupture et essayer de la reséduire, donc. Et pareil, de ce côté-là, nous avons Raph, trop beau gosse, comme d'hab, avec, du coup, Nolwenn, donc son ex, qui, pareil, est là dans une démarche de reséduction. Et elle aussi, elle est franchement... Franchement, pas dégueu, quoi, si je puis. Alors, j'ai pas créé de réunion pour eux, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, en vrai. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir où ils en sont dans leur relation. À savoir que, du coup, Chris a trompé Summer. Voilà. Chris a fait crac-crac avec quelqu'un d'autre alors qu'il était dans une relation exclusive avec Summer. Pas terrible, terrible. Du coup, forcément, Summer trouve que c'est un ex toxique et elle est furieuse à cause de l'infidélité. Et lui, par contre, il est toujours très profondément amoureux d'elle et il a le cœur brisé qu'elle ne veut plus être avec lui. Chris, tu crois qu'on a de la peine, là? Chris, on a zéro peine, c'est bon? Chris, on s'en fout, c'est bon? Mais voilà, ils ont fait le choix de faire revenir Chris, donc ça va peut-être aider Summer, finalement, à être un petit peu moins méchante aussi, parce qu'elle a des petits côtés pas très cool, Summer, qu'on a un petit peu mis de côté, mais on n'oublie pas que elle est assez égocentrique, méchante et jalouse, donc ça vient peut-être un petit peu de tout ça, et peut-être que ça l'aidera à travailler sur elle, quoi, tu vois. Voilà. Et quant à Raph et Nolwenn, je crois que c'est son nom. Oui, c'est ça, Nolwenn. Bon, ils sont à 25 et moins 50, donc ça va être compliqué, en fait, d'essayer de se reséduire, mais du coup, ex aigri. Voilà, exégré. Donc du coup, Raph, il a rupture personnelle et a le cœur brisé. Et elle aussi, elle a le cœur brisé. Je pense que... Je sais pas trop ce qui s'est passé entre eux. On peut imaginer plein de trucs possibles et inimaginables. Là, j'imagine pas trop de la tromperie, mais plus... je sais pas. Enfin, voilà, pourquoi vous avez rompu avec vos ex, vous. Voilà, il y a toujours une raison qui fait que ça marche pas. Et c'est pas forcément... je pense que c'était pas forcément de la tromperie ou quoi que ce soit. Juste, ça a pas marché. Et ils ont tous les deux eu le cœur brisé de cette relation. Et ça expliquerait pourquoi Raph a du mal à passer à autre chose. Et là, il s'est bien ouvert avec Lucie, en vrai, mais on ne peut que espérer que cette rencontre l'aide encore plus avec Lucie, et pas qu'il retombe fou amoureux de Nolwenn, et que, du coup, il devienne le match parfait, n'est-ce pas? Il a du mal à s'ouvrir, donc pas d'effort. Ouais, ouais, pas d'effort, c'est ça. C'est ça, je pense. Coucou, Melitel Pogno! Comment ça va? Voilà, donc, vous allez vous asseoir, et puis vous allez essayer d'échanger, de régler un peu tout ça. Ah merde, j'ai fait juste s'asseoir, je crois. Restez assis. Hop, voilà. Alors là, il est 14h30. Tu vas où Tu vas où Tu vas où Tu vas... Raph, tu vas où Raph Raph Mais qu'est-ce qui se passe? Assailli par des abeilles. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis arrivée sur le terrain tout à l'heure, il y avait des comment on dit en français, des battes, des chauves-souris. Raph, il a vu de loin, il a dit non. Il a préféré aller se faire bouffer par les abeilles. Hein. Il a dit non, je ne vais pas m'asseoir ici. Elle est enjôleuse ou je rêve? Ang, ça va pas? Et eux, ça parle bien, ça parle bien! Ça parle très, très. Ça parle trop bien. Ça parle trop bien à mon goût. Sachant qu'il est 14h, bah il est 15h là. Je pense qu'on leur laisse jusqu'à genre 18h de date.
Et qu'après, du coup, vous connaissez la chanson, ils vont rentrer à la villa et ils ont jusqu'à minuit pour choisir leur match parfait, pour passer la nuit avec eux, nanana. J'ai pas les cheveux gras, hein, je les ai lavés. Je préfère le préciser. Ils étaient gras, mais ils sont lavés maintenant, promis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, voilà, c'est ça, ils auront jusqu'à minuit pour décider qui est leur match parfait, même si en théorie, ils savent déjà, puisqu'il y en a quand même la moitié qui sont devenus petites amies, boyfriend and boyfriend. Merci beaucoup, Imanou, pour le follow, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et donc, voilà, après, bah, le couple qui a la love room, c'est Vanessa et Quentin, sachant qu'ils ont gagné le dernier défi, quoi. Rafus, son ex, j'ai fait... par contre, ici, ça se passe plutôt bien, ça me fait un petit peu peur. Je vais pas vous mentir, ça me fait un petit peu peur. Chris a acquis la compétence romance. Ça me fait très très peur. Ça me fait très très peur. Merci beaucoup Maïs. Merci d'avoir pris un abonnement, c'est adorable. Merci infiniment. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup pour ton soutien. C'est vrai que le September a commencé les gars. Donc si jamais vous voulez et vous pouvez surtout soutenir la chaîne, eh bien c'est le bon moment parce que le mois de septembre tout est un petit peu moins cher. Donc merci infiniment, merci beaucoup Maïs. Merci d'avoir pris un abonnement. C'est adorable, merci beaucoup pour ton soutien. J'ai pas fait de point d'exclamation September mais je devrais en faire un. Je vais en faire un. Oh là, ça y est, ils sont vraiment en colère, d'accord. Conversation suggestive par contre. Ang, il y a des cœurs. Complimenter l'apparence. Ah ouais. Ah ouais, vous étiez prête de fou. J'en ai pas fait, mais je vais en faire un. Je me le note. Faites pas trop de folie, hein. Chris veut la reconquérir. Ah mais Chris, il est déter, hein, j'ai l'impression. Hein. Merci beaucoup, Maïs, c'est adorable. Elle est réceptive. Comment ça se passe de l'autre côté ? Pourquoi il est très enjôleur ? Ah non, gars. Je suis en PLS, je croyais pas du tout que ça allait marcher. Le mec qui danse derrière. Ah ouais, je m'attendais absolument pas à ça par contre. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas vu venir. D'abeille, ça l'a débloqué finalement. Arrête. Nolwenn a acquis la compétence. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous gâchez tout. Oh là là. Ah non, moi je croyais pas que ça allait fonctionner. Par contre, ici, c'est pas... Oh, ça y est, c'est méchant. Ça, je préfère. Vas-y, engueule-le, il t'a trompé. N'oublie pas. Elle lui dit, regarde, j'ai trouvé ton caleçon. Non, tu prends ton caleçon sale et tu hors de ma vue, c'est ce qu'elle lui dit. Et là, bizarrement, ça marche. Mais oui, d'habitude, ça se passe pas bien. Moi, je me suis dit, en théorie, les ex, ça va être encore plus difficile. Parce qu'en vrai, quand tu rencontres un inconnu, t'es au niveau zéro, tu vois. T'es niveau zéro et tu dois un peu monter les trucs, machin. Mais là, ils sont à niveau moins 50. Donc, c'est encore plus dur, en théorie. Mais non, ça fonctionne. Oh, y a pas de réunion de groupe? Non, j'ai pas trouvé ça nécessaire, là. Et justement, la preuve, c'était vraiment pas nécessaire. Le scénario, là, ça suit plus, les gars. Mais oui, le scénario. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, il a besoin de revoir son ex pour faire un petit peu le closure. J'ai pas dit, il a besoin de revoir son ex pour retourner avec elle, hein. Ang. Là, ils sont à combien? Ils étaient à moins 50 quand j'ai préparé le truc. Moins 43. Ok, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, tout va bien. Ici, ça va comment? Conversation désagréable. C'est ça que je veux. Ouais, regarde ton tel. Elle est trop chou, Summer. On l'a vu tellement plus en maillot de bain qu'en habillé. Je sais même pas à quoi ressemble sa tenue principale, finalement. Raph, par contre, tu déconnes. Hein. Tu déconnes à balle. N'oublie pas Lucie. N'oublie pas Juicy Lucie, s'il te plaît. Il va repartir avec son ex. Non, j'ai l'impression que ça se... C'est quoi? Draguer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai pas fait de réunion, je leur ai pas demandé de faire des trucs... Et c'est quoi ça? Sim qui s'éloigne, se sent blessé par quelqu'un à proximité. Pourquoi tu la dragues alors? Rencontre embarrassante. Est-ce que je pue? Elle lui a dit qu'il puait. Non mais Raph là par contre... c'est la piqûre d'abeille, hein. Hein? On va dire ça. Lui, et il est re-enjôleur le type là. Ang.
totalement amoureux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait rentrer les ex? Alors par contre, leur amitié, elle est vraiment au ras des pâquerettes. Raph, il a de la fièvre. Ça doit être ça. À quoi vous jouez? Discutez avec Raph. Raph, arrête d'être enjôleur. En fait, c'est Nolwenn qui le repousse, mais lui, il la repousse pas tant que ça, je trouve, tu vois. Genre, elle lui dit des trucs désagréables et tout, mais pas lui, genre. De quoi? C'est quoi le secret moodlet de Raph? Ah oui, les carillons, ouais. Mais des carillons, une sorte de massage pour l'esprit. Mais pourquoi ça le rend enjôleur? Foulu. En vrai, ils ont trop d'amitié, je crois. Ils sont encore trop proches, les Kong. Bah, ça va peut-être baisser, hein. N'hésitez pas à leur mettre des malus, hein. N'hésitez pas à leur mettre des petits malus. Pour qu'ils arrêtent. Non, en vrai, je pense que ça va quand même le faire. On a dit qu'on arrêtait. Ah, bon, on a dit qu'on arrêtait à 18h, donc ça va. On peut prolonger un petit peu, en vrai, parce que ça passe tellement vite. Comme elle lui a brisé le cœur et qu'elle est venue là, il espère que c'est une seconde chance. Ou alors... Idée! Nouvelle idée! Nouvelle règle! Peut-être que c'est juste que, tu vois, il est en mode... j'ai besoin de la redraguer pour voir comment elle réagit, pour voir que... je suis plus attirée. Un peu tiré par les cheveux, mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. Des fois, t'as besoin de voir que tu plais toujours à la personne qui t'a brisé le cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est juste moi qui vogue. Nouvelle règle, hein, c'est trop. Ou alors c'est juste un petit counard. Ou alors c'est juste un petit counard, hein. Mais il était tellement fermé avec tout le monde que je comprends pas ce qu'il fait là. C'est ça que je comprends pas. Petit sondage, ouais. Elle est heureuse et elle est un peu triste aussi. Et là, du coup, là, écoutez, discussion informelle. Oh ! Mais alors, en fait, Summer, elle est du père, tu vois. Parce que je pense que c'est quelqu'un qu'elle a vraiment kiffé. Et du coup, elle est réceptive et en même temps, elle se dit, mais non, mais t'es qu'un gros cunard. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que des fois, il y a des cœurs et des fois, il y a des cœurs, mais dans l'autre sens. Mais du coup, je comprends plus trop leur relation, là. Moins 5 et moins 56. Ouais. Mais une fois, c'est plus facile la deuxième, peut-être. Hein. C'est une meuf qui l'a piqué, il n'arrive pas à passer à autre chose, le petit Raph, c'est ça. Mais tu vois, je pense qu'il va revoir Lucy, il va se dire non. C'est Juicy Lucy I need. Je suis peut-être une idéaliste. Donc, après, la relation, là... ils sont toujours à moins 45. Hein. Ça va. D'ici minuit, ils seront pas à 95. Hein? 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 Parce qu'en vrai, la Raph, il est avec... avec Lucy, il est à 77%. Du coup, vu qu'avec elle, il est à moins 50, 77 plus 50, il a quand même beaucoup à rattraper, tu vois. Donc, je pense pas qu'elle arrivera à dépasser Lucy dans son cœur, mais... chaud quand même, hein. Ok, là, ils sont partis à faire n'importe quoi. Ok, ils sont partis faire n'importe quoi. C'est la fin du date, du coup. Elle se casse, je te jure. Non, en vrai, il raconte surtout des blagues comme le pipitre qu'il est. Ils se cassent tous. Écoutez, c'est que c'est la fin du date, hein. Que puis-je dire d'autre? On va donc rentrer à la Villag. Attends, parce que... Pourquoi ils sont pas tous à la Villag? Ils sont pas à la Villag. Oh. Et du coup, on va voir, imaginez... Maintenant, un des ex, actually, a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre de la villa. Genre, je sais pas, en fait, Lucy et Chris se mettent ensemble, tu vois, tu l'as pas vu venir, celle-là. Ah oui, alors ils sont au boulot, Isaiah. Vous travaillez trop dur, les garçons. Quittez plus tôt. Vous travaillez vraiment trop dur. Une rivalité au travail a commencé, Hang. C'est terrible ces outfits, les garçons, par contre. Qu'est-ce qu'on fait? Je les fous au bord de la piscine? Ça nous apporte échange jusqu'alors. Je commence pas de réunion, par contre, cette fois-ci, mais voilà. On va les regarder un petit peu au bord de la piscine. Je pense qu'on va surtout se concentrer sur les couples.
et voir un petit peu comment ils évoluent, comment ils se rapprochent. Là, vous savez, dans les téléréalités, c'est un petit peu le moment où les couples parlent de choses, se confient les uns aux autres. Il y a des petits trucs intéressants qui se passent comme ça. Bon, dans les... Oula, qu'est-ce que je fais ? Dans les Sims, c'est évidemment plus compliqué. Mais essayons. Et surtout, virons ces ex. On les veut pas, en fait. On les veut pas. On les laisse pas en couple. Tu penses ? Parce que du coup, si on les laisse en couple, ça veut dire que les deux ex, ils partent direct, en fait. On n'en fait rien. C'est ça, le truc. On peut les mettre en couple chacun dans leur coin, ouais. Mais le truc, c'est que du coup, autant faire partir les ex maintenant, quoi. Ça aurait été intéressant de voir les ex essayer d'interagir avec les autres, je pense. Les soirées swimming pool égale drama de fougue. De fougue, de fougue. Après, c'est toujours le risque qu'ils aillent draguer et tout, mais je crois que là, en vrai, si je mets pas de groupe, ça va, hein. Ça va, ça va. Ce que je vais faire, je pense, c'est que... Oula. Vous avez entendu, mais... Ah, au pire, je les mets là. Ouais, je sais pas. Ce sera quand même sans groupe, c'est vrai. Après, on peut les mettre chacun dans leur coin. Mais du coup, je sais pas trop ce que je fais des ex, quoi. C'est ça. Séquestration poule. Eh, c'est vrai que celle-là, c'est séquestration poule. Là, c'est séquestration poule. J'aurais juste aimé voir si les ex essayaient quand même... Ah, mais sinon, ce que je fais, c'est que je mets, du coup, les ex... Genre, je fais un groupe... Enfin, un groupe. Un coin Isaiah, Summer, Chris... Un coin, Raph, Lucie et l'ex, et après les autres coups, quoi. Au pire, on met chacun dans un coin et on voit où les ex vont. Ouais. Ça peut être intéressant. Mais du coup, il faut que j'ouvre. Oula ! Ça va, Vogue ? Faut que j'ouvre parce que j'ai mis des murs partout. J'ai mis des murs partout. Bon, après, ça n'empêchait pas le rat de passer par-ci, par-là, hein, mais je vais mettre, du coup... Le petit couple ici, voilà. Quentin, Vanessa, écoutez, ils vont aller là, trop chou là. Se téléporter ici avec Quentin qui a re-rasé sa barbe. Lucie, Raph, je vous mets une de kitchen. Oh mais ils ont pété des trucs dans la cuisine. Hein. Je vais leur réparer leur frigo quand même. Voilà. Lucie et Raph, voilà. Et ceux que j'oublie, mais absolument tout le temps, Rémi et Célina. Vraiment, c'est le couple que... En fait, je pense que c'est parce que c'est un petit peu le couple des derniers arrivés et tout, donc tu y fais un peu moins gaffe. Voilà. Et du coup, les ex, faut que je les foutre quelque part ici. Pour qu'ils aillent où ils veulent. Elle est où l'autre ex, Nolwenn? Là. Ah bah non! Lucie, par exemple, tu pars où? Mais attendez, tout le monde se barre. Mais Lucie, elle a dragué Rémi ou j'ai rêvé là? Hang, non, j'en ai trop marre. Il y aura qui creusait ses trous. Non, mais c'est trop. C'est trop, c'est trop. Les pauvres, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas de frigo? Je sais pas. Coucou Rouge, comment ça va? Je trouve que l'ex de Raph a des airs de Lucie. Il aurait pas un type de. Tu trouves? Après, moi, je confonds tout le monde maintenant sur les miniatures. C'est trop. Hein. Bon, faites pas de bêtises, hein, parce que je sais pas ce que vous faites là, mais restez sage, hein, par pitié. Ok. Lucie Raph. Oh, Lucie, elle lui demande d'être son petit ami. Lucie se sentirait-elle en danger face à l'ex? Elle lui demande, veux-tu être mon petit ami? Coucou Jen, comment ça va? C'est pour ça que je veux les séparer, ils veulent jamais suivre nos directions. Celles-là, ils veulent bien. Moi, je suis totalement d'accord. Évidemment, Raph dit oui. Non? Raph dit oui. C'est Raph qui demande. Ah oui, c'est Raph qui demande. Oh, mais c'est encore plus chou, Camille. C'est Raph qui veut. Donc ça veut dire que... Oh, c'est encore mieux. Je croyais que c'était Lucie. C'est encore mieux. Je me suis dit, Lucie, elle demande parce qu'elle se sent en danger. Mais en fait, Raph, il demande pour la rassurer. En mode, dis à mon ex, j'en ai rien à pétague. Coucou, Tulip, comment ça va? On dit oui, évidemment. Enfin, Lucie, pourquoi elle dirait non? Oh, il a bien réalisé qu'il la voulait. Wang. Allez, Lex, ça peut repartir. Franchement, Lex, elle peut rouler sa bosse ailleurs. Oh, attends, ils sont trop choux, je les loupe. Je les loupe, il y a trop de murs dans cette village. Regardez là, regardez-les, ils sont trop beaux. I ship it. Raphaël vient devenir le partenaire de Lucie. Wang. Allez, régler ça dans la love room, hein. Quentin, qu'est-ce que tu fous habillé dans la swimming pool? Ah oui, puis là, pour être habillé, il est habillé, il a même les chaussures de foot. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait?
Ah, on va faire un petit pipita. Pourquoi il est enjôleur, lui? Il regarde la télé. Ok, tout seul. Très bien. Elle est où, Summer? J'ai peur à chaque fois de les chercher. Summer, elle se tape une barre avec Nolwenn. D'accord. Elle se tape une barre avec l'ex de Raph. Ok. Mais je croyais qu'il voulait un date. Ah non, il voulait lui demander d'être sa petite amie. Oh! Qu'est-ce qui se passe, Selina Ratmi? Non, ça va, ils sont à fond. Mais pourquoi il a des cœurs en moins, lui? Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'en puis plus, moi, hein. J'avais pas parié sur eux au début, mais je chippe aussi, pareil. C'est marrant à quel point ce qu'on avait imaginé au début, on est so far de la réalité, quoi. Elles se sont délaissées. Selina, ouais. Écoutez, je vais les aider un petit peu, parce que là... Pourquoi il est suspicieux, lui, etc. Personne malicieuse à proximité. Mais qui c'est qui l'aime pas? Je sais pas. Rafusi, ils ont fichol. On va aider Rémi et Bidule, là. Selina, on va déclarer son amour. Voilà, comme ça, ça va être un petit peu plus sympa. Il était juste aux toilettes, hein, c'était pas la peine de s'inquiéter. Par contre, enjôleuse, elle est enjôleuse avec qui? Être jalouse. De qui? Oh! Mais pourquoi elle va gifler? Mais elle est pas bien? Mais ça va pas bien, hein? Oh, mais c'est trop chou! Mais c'est... Mais what the fuck qui vient de se passer, là? Bon, t'es contente que le raid déclare son amour? Mais non, elle est pas contente! C'est une dinguerie. Mais pourquoi ils arrêtent pas? Mais c'est avec Raph qu'elle avait des cœurs rouges. Ah mais non, mais là, elle avait des cœurs rouges avec Rémi quand il lui a déclaré sa flamme, en plus, hein. Elle me dit, Raph, il comprend plus rien à sa vie. Bah non, normal, en même temps. Oh, c'est une folie. C'est une folie. Mais ils font jamais ce que je veux, hein. Qu'on appelle la sécurité de la villa. Ah ouais, non, mais voilà, quoi. Donc, il nous reste plus que 3 couples en lice, là. De toute façon, même là, mais si, ils ont grave de l'amour, de la romance. On n'a pas viré parce qu'il avait giflé ailleurs. Mais on n'a pas viré, hein, parce qu'il avait giflé d'ailleurs. Si. Mais du coup... Oh, attendez, je regarde mes trucs. Du coup, Laura se retrouve seule ou on lui laisse la chance de faire rentrer la dernière éliminée? C'était qui la dernière éliminée? Inès? Ben, c'est pas possible! Parce que Inès, il la déteste! Inès, c'est pas possible, il la déteste! Mais de toute façon, je pense que là, Rémi, il est en mode c'est bon, j'ai essayé de trouver mon match parfait et je croyais que c'était Selina. A priori, c'était pas elle, nanana. Enfin, c'est pas je pars avec elle, mais je pars en même temps qu'elle, quoi. Je pense que c'est ça, hein. Il a vraiment pas de chance, lui, c'est trop drôle. Ah mais oui, hein, à chaque fois, il se retrouve avec des trucs... c'est une dinguerie, quoi. Non mais les gars, je ne dis pas non à la virer. Enfin, pourquoi vous me dites en boucle? J'ai compris, on la vire, hein, j'ai capté. Rémi, give up. Ben c'est ça, Rémi, give up, parce qu'en vrai, c'est l'épisode final. Il va pas faire rentrer quelqu'un, essayer de... Enfin, même si là, il s'entendait bien avec quelqu'un ce soir, demain... c'est la fin de l'émission. Donc, genre... Enfin, ils auront jamais un niveau de romance, etc., qui sera aussi haut que les autres, donc il a déjà perdu, en fait, tu vois. Je vous ai compris, mais oui. Je vous ai entendu. Enfin, voyons. Les derniers à être partis, c'est Inès et Sanjay. Ben oui, mais même s'ils reviennent, Inès et Sanjay, déjà, ils matchent pas l'un avec l'autre. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? C'est fini, les gars. Ils ont plus le temps de créer une vraie romance, hein. Et surtout, on sait qu'ils vont pas gagner l'émission. Donc là, Selina et Ratmi, ils vont partir avec les ex et on se retrouve avec 3 couples dans la villa. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Hein. J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein.
il peut draguer un une ex, non ? Il peut essayer, si vraiment il veut rester jusqu'à la fin de l'émission. Mais pour moi, il aura, enfin, ça sera pas genuine, quoi, tu vois. Avec les ex, ok, allons-y. On les enferme tous les trois. Déjà, Rémi, il est revenu une fois, hein. Déjà, il était même pas censé être là, et c'est parce que Kenji s'est fait virer, quoi. Summer ? Summer ? Summer ? On leur laisse jusqu'à minuit, ouais. Ouais. Summer, tu fais quoi ? Enfermez-les tous les trois. On les enferme où ? À la piscine. Ça nous a apporté du bonheur jusqu'alors. Tout est fermé, là. Allez. On va mettre Chris, Nolwenn et du coup Rémi. Voilà. Et ma belle Célina. C'est la porte. C'est ciao, comme dirait un célèbre youtubeur. En plus, elle est enjôleuse, enfin, j'ai rien compris, quoi. Du coup, si les deux ex se shippent un minimum, ils restent à la place du Rami et Selina, ou j'ai toujours rien compris aux règles. Ouais, ça peut, en vrai. Hein. Démerde-toi, Rémi, ouais. C'est ça. Bye. Disparais de mon terrain. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon loup ? T'es coincé là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a pas de porte, ici ? Pourquoi tu fais rien, mon petit Kanteng ? Espionner Summer. Mais pourquoi? Alors, ce qu'il faut sachez, c'est que Raph, il a quand même des... Il a noué des bonnes amitiés avec à peu près... Enfin, à peu près tout le monde, non, mais... Attends, qu'est-ce qui se passe? Enfermer. Non, mais là, ça fait aucun sens. Faut arrêter les bêtises à un moment donné. Pourquoi ils font que ça ? Et toi, pourquoi t'es pas enfermé là-haut, Chris ? C'est trop. Qu'est-ce qu'il fait ? Discuter avec Summer ? Non, c'est mort, elle veut pas de toi. T'as eu ta chance au date. Maintenant, t'as une chance avec Rémi. Attends, qu'est-ce qu'il... Raphaël a vu Lucie dépasser ses limites amoureuses, il rompra avec Lucie. Raphaël a vu Lucie dépasser, il envisage de rompre. Arrête. Mon fang. Ça suffit. Bon, Quentin, Vanessa, on la love room. Quentin qui cook. Hold on, let him cook. Non. Vanessa. Elle est assise, elle va se lever le fiac, parce que sinon je peux pas la téléporter. Là. Merci beaucoup, Tisa, pour le follow. J'ai rien vu, je ferme les yeux. Moi, je... I don't believe in it. Voilà, je... C'est... Des fois, le jeu, il jogue, et puis des fois, le jeu, il fait n'importe quoi. Enfin, c'est tout, quoi. Elle se marre raconter une blague sur les hommes politiques. Voilà. Donc, ce que j'allais dire avant qu'on soit interrompu par des dingos, c'est que Raph, il a vraiment l'amitié facile. Il est pote avec plein de gens. Et je trouve ça trop, trop mignon. Bref, attendez. Isaiah... C'est pas Isaiah, ça. Là. Qu'est-ce qu'il fait ? Nourrir avec de la poussière. Arrête tes conneries. Et bon, du coup, c'est qui l'autre couple ? Bah, Lucie, Raph. Et il y a une chambre vacante pour le moment, à voir ce que ça devient. Voilà. Non, mais sois pas comme ça. Please don't. Ça a baissé la morgue. Chutec. Mais c'est pas possible! Non, moi je refuse! Mais pourquoi il a rompu avec elle là?
Mais là, je refuse, mais on est d'accord. Parce qu'en vrai, c'est ridicule, le jeu de côté fait de la merde de ouf. Mais là, ça n'a pas de sens. Je comprends pas pourquoi ils ont rompu. Moi, je veux bien, hein, je veux bien dire, oh là là, le jeu a fait ça, on le suit. Mais là, qu'est-ce qu'on suit, en fait? Elle est à la salle de sport? Elle est énergisée de fou? Genre Quag? Genre, pourquoi ils rompent avec elle, là? Non, moi, je... Rectifiez ça, merci. Faites mieux, merci. Je comprends pas. Parce qu'en vrai, c'est ridicule, le jeu souhaitait faire, c'est de la merde. Je crois qu'elle a dragué Vanessa, non? Oui, alors, oui. Ce qui s'est passé, l'action, c'est que Lucie a dragué Vanessa. Mais pourquoi il est passé de... Raphaël a vu ses dépassés... Attends, avant ça. Si elle recommence, il va rompre, et après, direct, il a rompu. Je propose qu'on remette la relation comme elle était avant. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, parce que je trouve que là, c'est juste une action du jeu qui a pris des trucs de zinzin pour rien. Mais après, est-ce que vous trouvez ça fair ou pas? Vous voulez qu'on fasse un sondage? C'était déjà trop pour lui. Après, peut-être qu'il a dit « Non, mais moi, je peux pas accepter ça », et joueront. Mais après, peut-être que là, Lucie, elle va lui expliquer dans la chambre que, genre, c'est sa copine et qu'elle se draguait pas réellement, elle faisait des blagues ou je sais pas quoi. Tu vois, on peut essayer de rendre le truc un peu plus digeste, quoi. Genre, oui, c'est ce qui s'est passé dans les faits, mais en vrai, c'est pas vraiment ça. Genre, il a aperçu au loin Lucie et Vanessa parler. Elles avaient l'air un petit peu de se draguer. Du coup, il a dit « Non, mais par contre, si tu dragues d'autres personnes, c'est fini entre nous. Moi, je veux pas ça. » Et il est monté se coucher en train de bouder. Du coup, elle a rejoint. Elle a dit « Non, mais je suis désolée que t'aies cru ça, mon cœur. Hein. Mais on se draguait pas comme tu crois, tu vois. » C'était un petit peu... C'était de l'humour, quoi. Genre, je sais pas, un truc du genre, quoi. Un drama quiproquo. Mais oui, voilà. Genre, on a tous et toutes plus ou moins connu un truc du genre, quoi. Un espèce de quiproquo qui prend des mesures démesurées, oui. Qui est un peu démesuré. Et après, tu te dis, non, mais je me suis emportée. Enfin, c'était pas grave, quoi. Il part en steak. Mais ouais, ça part en steak. Coucou, ma Prissy. Ouais, elles se draguaient pour rire. Elles ont fait tout ça entre potes. Voilà, imagination. Et Raph, il a vu ça au loin. Il a dit, non, mais par contre, là, aujourd'hui, j'ai revu mon ex. Ça m'a un peu chamboulé et tout. Moi, j'ai pas le temps pour les gens qui sont pas à fond avec moi. Je viens de te demander d'être ma meuf. Tu fais pas des trucs comme ça, tu vois. Regardez Rouge et Cali, et pourtant Rob est plus sympa, partent pas. Oui, parce que c'est de l'humour, hein, Rouge. Je rigole. Mais oui, non, mais c'est ça. les modes de la JPEP. Non, mais ouais, voilà. Qu'est-ce que ça donne, les ex? Ah putain, les ex, ils nagent. Hein. Et ça nage, là. Ça nage pour oublier l'élimination prochaine, hein, c'est... Ça nage pour oublier. Parce que c'est de l'humour, oui. Totalement. Merci Dracaris pour le follow, bienvenue. Et là, ça... Ouh, ça se fait les guiboles, hein. Ça se fait les guiboles. Coucou plus, hein, comment ça va? Comment ça va bien aujourd'hui? Oh putain, Raph, il est en dépression. Qu'est-ce qui t'arrive, Raph? C'est comme si quelqu'un contrôlait ma vie. Oui, là c'est le chat qui contrôle ta relation. Et le chat a l'air de dire que c'est le comeback. C'est le comeback. It's le comebacking. Alors on était à 77 de romance et à 100 de friendship. Si tu puis. C'est vrai en plus, c'était ça. Avec tout ce qui nage, Léon Marchand n'a qu'à bien se tenir. Elle a dit mal. Pardon. Ah non, en plus elle aime pas quand je mets des G partout. Pardon, vraiment. Oui, Raph, là, quelqu'un contrôle ta vie parce que tu fais de la merde, là. Bah là, on est obligé. Run cheat. Viens de devenir un bon ami. Mais vous êtes pas ami, vous êtes... Attends, je lui redemande d'être mago. Ah non, c'est dans relation, maintenant. Modifie la relation. Je peux pas, il est trop triste pour faire ça. Mais non, t'es pas triste. Mais y a aucune raison que tu sois triste. Imagination. Imagination. Modifie la relation, demander d'être en couple. Voilà. Par contre, Lucie, tu dis oui, hein. Tu me fais pas le coup de... Ni. Ouais, c'est bon. Voilà, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés, tout va bien. Il faut enlever les moodlets, ouais. Paf, paf.
Enfin, c'était une petite broutille, une petite embrouillade. Hein, ça arrive. Sur le coup, tu te dis, moi, je peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Mais après, tout de suite, ça va mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Il lui apprend à faire du Rubik's Cube, probablement. On fait que de voir ce truc alors que je l'avais jamais vu de ma vie avant. Attends, qu'est-ce qu'ils vont faire? Discuter. Ouais, ouais, discuter. I think c'est une bonne idée. Oh, le petit câlin de la réconciliation. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ça va, Nolwenn? Nolwenn, elle party. Bon, je crois qu'il va rien se passer avec les ex et avec Ratmi, hein. Je crois que là... Mais ils sont... je les ai pas montés dans leur chambre, eux. Donc, c'est trop, hein. Pourquoi ils veulent pas m'obéir ce soir? Eh, Isaiah, il dort. Bah oui, en même temps, j'ai... Summer, pourquoi elle est pas là? Et toi, Quentin? Mais... Elle a un slip... elle a un slip... de couleur peau, de couleur chair. Ouais, c'est bon, toi, t'es là. Après, elle pourrait tout aussi bien être naked, hein, je pense. Ok, ça, c'est bon. Vous êtes bien enfermés? C'est très important. Et Summer? Voilà. Summer, bah... Nouvelle dynamique amoureuse saine. Oh! Ils ont réussi à parler. Tu vois, ils se sont en guirlandais, là. Ils se sont engueulés. Et ils ont réussi à mettre carte sur table, à en parler ensemble. Et ils en sortent grandis. Mais Ratmi et Selina se sont séparés depuis quand? Alors, on a été obligé de virer Selina parce qu'elle a giflé Raph parce qu'il a décidé de sortir avec Lucie. Donc on s'est dit, bon, elle sort. Du coup, on laisse une chance à Ratmi de se remettre en couple avec quelqu'un, mais bon. Parler, ça fait du bien. Ouais. La communication, hein. Oh, ils ont des sentiments. Mais après, en plus, ce couple, il a tout le temps des sentiments. L'un envers l'autre. Trop mimes. Du coup, je sais pas si on les a perdus, les sentiments. Ah ouais, on les a perdus. Il y avait en adoration et tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a avec Jayden? J'ai peur. Faire la connaissance. Ok, ça va. Ils ont communiqué, ouais. Ici, par contre... Bon, bah, Ratmi, il a compris, hein. Ratmi, il a compris que Tonight, c'était pas The Night pour lui, hein. Il était à ça de finir l'aventure avec une go. Mais c'est tout. Elle avait en adoration, il lui mordu. Remets-leur en vrai. C'est vrai. C'est vrai, je peux. Si je puis, je le fais. Sentiment. C'est pas de la triche. C'est que... Hein? Voilà. Et lui, il était mordu. He was beaten. Attends, M. C'est par ordre alphabétique? Oui. Voilà. Comment ça se passe ici? Vous faites quoi, vous? Trop. Pourquoi il fait ça? Faire une danse Big Block. Pourquoi il est comme ça? Elle fait quoi, Vanessa? Oh, elle dort où? Ah, mais elle est partie se coucher. Fatiguée. Fatiguée, la petite vilain. En même temps, il est occupé à faire ses danses Big Block. Donc, voilà. Bien, mon canton. Ta meilleure vie dans la salle de bain. Il se regarde dans le miroir à faire sa petite danse. Unbothered King, comme d'hab. Je l'aime trop, vraiment, je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. C'était déjà un Unbothered King dans Barbie, mais voilà, ça se confirme. Isaiah, il tape sa meilleure sieste. Voilà. Summer, elle se fait chier comme un rat mort. Voilà. Et ben ici... Ça se drague absolument pas, il se passe rien, il est minuit, vous allez arrêter de danser, vous allez prendre vos clics et vos claques, vous allez rentrer chez vous. Elle se dit peut-être que maintenant que ma carrière de footballeur bat de l'aile, il se dit peut-être maintenant que je devrais me reconvertir en danseur. Biche, trop chaud. Depuis leur dispute, c'est plus les mêmes. J'avoue, ils étaient à Summer, depuis leur dispute, c'est plus trop les mêmes, ouais. Je sais pas trop pourquoi il est allé dormir sur le banc, en vrai. Admirer les étoiles avec. Oh, trop chou, ça. Mais il était tout seul au début, elle était encore dans le salon à parler aux autres gens, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas trop.
Ah, bah, ils se réveillent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Discuter avec Summer, ok. Et il se passe quoi du côté Raph? On aurait dû leur laisser la love room, hein, moi, je crois. Parce que là, vraiment, ici... Par contre, ça me fume de voir l'ex de Raph danser à travers la fenêtre. C'est un délire, quoi. Un couple tapeur. Ouais, c'est clair. Ah oui, le secret! Le secret... qui pourrait peut-être tout changer. Qui sait? Bon, allez, vous partez. C'est ciao. C'est ciao. Les ex ont essayé de mettre la pagaille, mais nos couples étaient plus forts que nous. Finalement, la pagaille a été mise... Oh! Carrément! Se faire insulter par Chris. Pauvre Atmi! Mais il envoie de verter des pommes mûres ce soir. Et Chris, bah du coup, tu dégages toi aussi, là. Eh, il y en a marre des bolos, là. Déjà, il avait trompé Summer. Et maintenant, il insulte Atmi. Alors, Atmi, c'est pas que c'est notre chouchou, hein, loin de là. Mais bon, ça va quand même, on va se calmer avec Atmi. Atmi, hâte que tu nous dises où tu en es au bilan, en tout cas. Ouais, tombe, toi. Tu mérites de tomber. Rentre pas dans la villa, hein, tu t'es cru où? Ouais, je préfère. Du coup, on se retrouve avec très très peu de Sims, maintenant. Très très peu. Ça commence à... Va dormir, hein, du coup, Quentin. Ça commence à... Oh! Ils sont enjôleurs. Enfin, elle est enjôleuse. Lui, il se tire. Discutez. Ok, discutez. Je crois que vous avez besoin de discuter, ouais. Ratmi, il en a gros sur la patate ce soir. En même temps, je peux te dire que oui. C'est clair. Qui paye ce soir? Il est tendu? Amertume tenace. Il est un peu fâché contre elle. Hein. Je sais plus trop ce qui s'est passé, mais... voilà quoi. Mais elle est enjôleuse. On va essayer de... Voilà, on va essayer de l'aider un petit peu. Parce que là, vraiment... Qu'est-ce qu'elle a avec Lucie? Devenir amie avec Lucie. Oh, c'est trop chou. C'est trop trop chou. Allez, petit bisou, ça va peut-être le dérider un petit peu. Ah oui, 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 baguette. Bien sûr, bien sûr. Oh, ici, c'est un jôleur de fou de zinzing. Comment ça va bien, mes chouchous? Mes nouveaux chouchous, hein, je crois. Je crois un petit peu. Oh, ça se raconte des blagues. Ils sont à combien, là? 86%. On me laisse même plus clipper en paix, ici. C'est pas la soirée de Ratmi. J'ai peu fait. Merci beaucoup, Marianne. Alors, attendez, je vous montre le secret d'Isaya, mesdames et messieurs. Je me mets en full screen, parce que j'ai peur d'ouvrir le dossier que vous voyez les secrets des autres. Parce qu'en vrai, je me dis, on découvrira peut-être tous les secrets pendant la réunion demain. Mais tant qu'à faire, autant garder le suspense jusqu'à demain. Et vous avez donc choisi Isaias. Isaias. On dit Isaias depuis le début, mais en vrai, c'est Isaias. On veut notre secret qui va tout changer. C'est vrai que j'ai dit ça. Après, peut-être que ça va rien changer pour vous. Mais moi, je regarderai un petit peu différemment quand même, je pense. Hop. Vous êtes prêts? Ah oui, j'attendais. Je savais, Priscille, je savais. Le suspense est à son comble pour découvrir le secret d'Isaias. J'ai une collection d'objets trouvés dans des lieux macabres que j'affectionne tout particulièrement. Il vient d'avouer ça à Summer, là. Il vient d'avouer ça à Summer en scred. Vous réagissez comment le type vous dit ça? Alors moi, j'ai une pièce... voilà, je fais de l'urbex, des trucs comme ça, et je ramène des trucs, j'ai des poupées, vaudou, j'ai pris quelques trucs dans un cimetière. Un petit pareil. Mais comment ça, je me sens gênée, je le quitte, j'ai peur. On est d'accord. Et je vous avais pas dit que le secret, il allait secréter. Genre des crânes. C'est quoi les objets? Bah je sais pas, je suis pas allée chez lui, hein. Je suis pas allée chez lui. Mais bon, il est un peu chelou, quoi. J'ai vu qu'il soit mon mari, voilà, c'est vrai. Coucou Kiss Pool, comment ça va? Ben non, mon bœuf. Je suis pas un animal payé. Non, ça, je peux pas, moi. En vrai, ça dépend des objets. Et oui, c'est pour ça que j'ai été un peu évasive aussi, pour que ce soit libre d'interprétation. En fait, c'était surtout pour que si on l'aimait bien,
on change pas trop et que si on les met pas, on se dit ok, c'est une raison suffisante pour le virer, parce que je savais pas trop quel impact il allait avoir dans l'histoire, quoi. Collection comme une autre, après tout. Voilà, ça dépend exactement de ce qu'il y a sur l'étagère. Bon, peut-être que s'ils sont ensemble après l'émission, elle le découvrira en allant chez lui, qui sait. De manière naturelle, ça me gêne moins. Il y en a qui font des trucs sympas. Ah oui, ça, oui, Rob est un peu de ce type-là. Enfin, plus au niveau des ossements et des trucs comme ça. Mais bah là, d'ailleurs, je tourne la tête, j'ai un crâne. Des crânes, ça me va aussi. J'en ai juste... 6. Et encore, il n'y a pas toute la collection parce qu'il n'a pas pu la ramener d'Angleterre. Mais bon, c'est pas des trucs qu'il a trouvé dans un cimetière, quoi. Non, il est pas là dans la pièce, et je vois juste tes crânes. Je vois pas son crâne à lui. Il dit, tu peux développer, je comprends pas. Genre, tu connais des cristaux de la sauge ou c'est autre chose? C'est autre chose, Pris. C'est autre chose. Je peux pas tourner ma cam en vrai, parce que vous allez voir tout le bordel. Mais je pourrais vous mettre une photo dans le Discord si vous voulez. J'ose pas, même pas dire ce que c'est comme crâne parce que. Il y a 80% de chances que je dise pas le bon truc, donc ça t'a inspiré. Même pas. Je vais te dire la vérité, c'est ChatGPT qui m'a inspiré. Évidemment, le besto, hein, quand on cherche un peu des idées saugrenues, n'est-ce pas? Mais du coup, ça... Oh, merci Marianne pour les clips. Mais du coup, voilà donc pour le secret. Elle reste enjôleuse, a priori, tout va bien pour elle. Voilà, voilà. Il est 1h40 du matin. Je crois que c'est la première nuit où nos couples vont aller se coucher aussitôt. Et en même temps, c'est la première nuit sans vrai drama, puisque ça y est, nos couples sont bien établis. Et tutti quanti, quoi. On est plutôt pas mal. Et on n'a plus que 3 couples. Là, ça, c'était là, je l'avais pas vu venir. Pas vous. En vrai, les crânes d'animaux comme ça, j'aime bien. Je ne mettrais pas forcément de moi-même dans la déco, mais c'est pas Red Flap, c'est intéressant Disney. Oui, c'est pour le dessin, Rob. C'est pour le dessin. Après, oui, moi, c'est pas un Red Flag, mais c'est sûr que... Je préférais qu'on partage pas un bureau et ne pas avoir vu sur ça. Parce que c'est ça, le truc, c'est que moi, du coup, vous avez mes choses à moi derrière moi pour que vous les voyez, mais du coup, moi, je les vois pas. Et moi, j'ai la vue sur les trucs de Rob. Du coup, c'est particulier, quoi. Et lui, il a sa vue sur mes trucs à moi, quoi. Anyway... Allez, petit dodo. Ah, oh, mais c'est qui est réveillé? C'est notre loulou national. Qui danse, toujours, encore. Il adore danser. Hein. Y a de la musique dans ce truc ou quoi? Non. Il danse sans musique. Oh, 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 c'est trop mignon. Ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Venez me dire après que c'est pas de Halloween. Même dans leur sommeil, ils sont collés serrés. J'allais dire que c'était pas le cas des autres, mais en même temps, les autres ont pas de lit. Les autres ont pas de lit double, donc ils peuvent pas. Hein. C'est trop chou. En fait, Quentin, c'est The Little Spoon. C'est trop mignon. C'est pas du tout du haut mode que t'as installé pour Blair. Nang, mais c'est, tu sais, on peut le faire aussi avec... faire un câlin dans le lit avec, hein. En vrai. Mais du coup, comme ça le fait pas à chaque fois, je trouve que c'est mignon. Parce que comme c'est... Oui, c'est un mode, mais c'est mignon parce que c'est pas moi qui choisis quand ça le fait. Donc je trouve que c'est encore plus chou que de cliquer sur l'interaction directe. Tu dors plus? Oh, 7 heures en vrai. Ah, c'est le mode, ça. Ça, c'est le mode, ouais. D'ailleurs, c'est lequel? Le mode, je sais plus comment il s'appelle, mais maintenant, tu peux le faire en jeu avec Amour Fou. Mais avec Amour Fou, tu dois cliquer sur faire un câlin, tu vois. Et là, en fait, ça le fait de manière aléatoire et je trouve ça encore plus chou. Alors, aujourd'hui, ils vont partir en épreuve puisque ils vont faire un dernier défi de compatibilité pour savoir qui a la love room de ce soir vu que c'est leur dernière nuit dans la villa. C'est pas incroyable? Et après ce défi de compatibilité, le couple gagnant aura un petit date, voilà. Et puis, ils rentreront sagement à la villa pour faire une dernière soirée tous ensemble. On fera la soirée déguisée. Et oui, la petite soirée déguisée. Et après, ils iront sur un terrain particulier pour qu'on décide, enfin pour qu'ils décident en fait, puisque c'est eux qui votent, qui est le couple gagnant. Ah ouais, les Sims bug quand ils veulent le faire du même. Oh, c'est nul ça. Ils le font seul, sans mode, sans le mode. Ah ouais, bah, trop mignon alors ça précise. Trop cute. Est-ce que la pêche sera enfin choisie? Non, parce que c'est pas vous qui allez choisir le défi. C'est moi. En fait, le défi, je l'avais... Oh, il s'est pissé dessus. Oh, désolé ma vie, j'avais pas vu.
Pardon, c'est vrai que t'es enfermé, les besoins ça allait pas. I'm so sorry. Is it too late now to say sorry? Waouh, mais il est trop beau dans son calfouette là! Attends, va, je te sors, vas-y, va prendre une douche. Je te sors, moi c'est mon chien, je te sors, je te mets dehors. Ouais, voilà, exactement, c'est le débat, c'est ce qu'on avait décidé, c'était le dernier défi, c'était le débat pour en fait voir qui connaît le mieux son partenaire finalement. Oh, le corps, le corps y corps, hein, dans son calfouette et sa pisse. Bon, ça c'est. Un élément, voilà. Ah, elle est pas bien non plus, pardon. Je vous aide au niveau des besoins. Parce que je. Voilà, j'ai la flemme de vous nourrir. Hop, hop, hop. Donc, c'est ce qui va se passer. Ça va être le défi des débats. Pour savoir qui gagne. Ça va être encore plus rapide que prévu, du coup, vu qu'on a que 3 couples. Là, c'est eux qui dessinent qui gagne, du gagnant. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais faire idéalement. Que ce soit eux qui décident, mais tu dis toujours, bah, les Sims ne sont pas dotés d'une conscience et ne peuvent pas dire, alors moi je voudrais que ce soit machin parce que je les trouve plus intelligents. C'est ce que je me suis dit, ça peut pas être eux puisqu'ils peuvent pas le faire d'eux-mêmes, donc ça sera le chat. Sauf que j'ai beaucoup brainstormé avec Marianne, on était en call et tout pour préparer la réunion de demain, etc. Et en fait, on a trouvé un moyen qui en fait. Mais pourquoi je dis et en fait on a trouvé un moyen qui en fait ça veut rien dire et en fait on a trouvé un moyen où ça paraît logique que ce soit eux qui décident et on sait comment faire pour que ce soit eux qui décident, donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, j'ai loupé le retour des ex, je peux avoir un bref résumé. Ils ont rien détruit. Raph était un peu enjôleur avec son ex, mais déjà pas assez pour que ça soit plus fort que sa relation avec Lucie, mais aussi et surtout je pense, enfin on s'est dit que c'était sûrement le fait que il avait besoin de voir s'il y avait encore quelque chose. Et en creusant un peu, il s'est dit que non. Parce que justement, quand il est arrivé à la villa, il a dit « Lucie, est-ce que tu vas être ma meuf ?» Donc on s'est dit « Bon, voilà. » En gros, tu remixes l'émission « Les amours ». Bah non, parce que dans l'émission « Perfect Match », c'est eux qui décident qui est le couple gagnant. J'ai rien remixé. C'est ça l'émission. Donc du coup, pas besoin de faire campagne dans le chat pour qu'il y ait ça. Pas besoin. En théorie, pas besoin, puisque... Peut-être c'est eux, je sais pas, je vais pas vous dire la technique pour savoir qui a gagné pour l'instant, mais c'est pas nous qui décidons, donc voilà, pas besoin de faire campagne. Mais on peut continuer à les encourager, c'est clair, gars. Ça, c'est clair. De toute façon, je pense qu'on va aller au défi maintenant, même s'il est un peu tôt. Ah bah, je vais attendre que tout le monde se réveille, mais voilà. De rien, qui se poule avec plaisir. Hein. Et puis du coup, ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il y a plus que 3 couples, parce qu'il y avait Rémi et Célina qui étaient ensemble, sauf que Célina a frappé un autre candidat, donc elle a été exclue de la villa. Et Rémi, on lui a donné la chance de pouvoir rester avec un ou une des ex, et en fait, ça n'a pas du tout matché. Du coup, ils sont partis tous les 3. Voilà. Ils sentent vos ondes positives, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, réveillez-vous, là, c'est bon, assez dormi. Allons à l'épreuve, la dernière épreuve de compatibilité de cette petite émission Perfect Match. Hop, et c'est l'épreuve, du coup, des débats. Et du coup, j'avais mis, en effet, 4... Oula, j'allais emmener Inès, que fais-je? Attends, Vanessa, c'est notre meuf, Raphaël, là. Lucie, Rémi, Célina ne viennent plus, il manque qui? Summer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Purée. Merci beaucoup, Yuli, pour le follow. Y'a quoi à donner comme bonus et malus? Bah tu les vois là, Myriam. Tu les vois. Et Quentin? Bah c'est lui, j'étais avec lui. Donc c'est lui qui emmène tout le monde en fait. Donc, Lucie, elle est enjolosongue. Ne faites pas de bêtises, hein, ne vous draguez pas entre vous. Du coup, ah mais il faut que j'ai un petit niveau en fait. Sinon c'est que s'entraîner à débattre. D'accord, donc il faut que je leur mette la compétence. Hein. J'ai compris. Code de triche. Des compétences. C'est quoi le nom de la compétence déjà? Recherche et débat. Hein. Genre si je leur mets à 2. Je leur mets tous à 2. Est-ce que là il peut débattre? Trichon sans vergogne. C'est pas ça. Alors comment on fait pour. Enfin, c'est à quel niveau qu'on peut débattre avec quelqu'un quoi? Je suis là. Moi, je suis perdu. Oups. Attendez, je l'ai pas mise à Quentin, là. Mais non, je l'ai mis à Raph. Je suis con. Mais je la vois pas non plus. Ah si, débattre d'un sujet. D'accord, donc dès le niveau 2, c'est bon. Je l'ai mis à Raph, t'es avec Quentin. Mais qu'est-ce que je bouine?
Qu'est-ce que je bouine? D'accord, donc je vais la mettre tout ce niveau 2. De la compétence. Et ça sera bon. Alors désolée, j'aurais dû faire ça hors caméra. Mais j'ai pas repensé que... Merde, je suis sur les buffs, n'importe quoi. Que des fois, il y avait des petits trucs un peu comme ça. Hop, hop, hop. De toute façon, si je leur mets à tous au niveau 2, en soi, c'est même pas de la triche, puisqu'ils partent... Enfin, il y a personne qui part avec un avantage, tu vois, s'ils sont tous niveau 2. C'est chiant. J'ai la flemme. Code de triche. Non, non, non. Non, non, non. C'est long. La manutention. Allez, Lucie. Tu vas bien débattre. Donc. Arrête. Qui que quoi? En fait, attends. Ah oui, ça va être bon. Bref. Quentin, j'ai pas mis. Code de triche. Hop. Ce serait plus simple avec le code intégré au jeu. J'avoue. Bon là ça va se faire... C'est pas si long que ça mais c'est chiant quoi. Heureusement ils sont que 6, ils sont pas 8 du coup. Tu sais Lucy. Rafila, donc là c'est bon. Hop. Code de triche. Triche des compétences. Recherche des bancs. Oups. Et enfin Summer. Et on sera bon. Petite prédiction de chat. Ouais. Quel couple, à votre avis, va le mieux se connaître? Quel couple, à votre avis? Ah oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure, les amours. Oui, my bad. Oui, oui. C'est un peu les amours, ça, du coup. En gros, l'idée, ça serait que les couples... Enfin, en fait, il y a... Attendez, parce que j'arrive pas à parler et à faire mon truc en même temps. Je suis vraiment une goumeuse. Hop, voilà. Que en gros, on est, par exemple, Quentin et Raph ici, qui sont en train de débattre. Et celui qui gagne est celui qui connaît le mieux sa partenaire par rapport à l'autre. Que je peux pas les faire s'affronter l'un avec l'autre, ça n'a aucun sens. Donc il faut que je les fasse débattre les uns entre les autres, quoi. Donc ouais, Raph ici, Kenessa ou Samaya, c'est ça. De comp en plus pour Kenessa. Ouais, si vous voulez utiliser vos points, vous pouvez, hein, vous pouvez, vous pouvez. Mais du coup, je pense qu'on va faire Raph Quentin. Quoi qu'ils sont potes, je sais pas si ça peut avoir une influence. Bref, je vais faire trois duos. Et après, on devra refaire un débat, je pense. On va voir. Parce que du coup, il y aura trois gagnants. Bah ouais. Comment je fais ça après s'il y a trois gagnants? Parce que du coup, moi j'imaginais qu'ils étaient 4. Enfin qu'ils étaient 8. Hang. Ben oui, c'est ça, comme ils sont 6, ça va passer comment? Oh. Ouais, vous pouvez voter pour choisir le bonus, ouais. Là du coup, vous pouvez soit ajouter un point de compétence à quelqu'un. Soit empêcher un binôme de participer. Faire une demi-finale, puis une finale. Et un va directement en finale. Mmh. Ouais. Oh, ça va être serré pour le bonus. Empêcher un couple, ça serait pas mal, mais on aime tout le monde. Ouais, là, on en a un point où je pense que s'il y avait eu Rats, Lina, vous auriez mis peut-être un malus à eux, mais en fait... c'est pareil, mais il y a espace deux fois, ouais. Alors, vous pensez que qui va gagner, du coup? Kenessa? Hang. Bah, si elle était là, on n'aurait pas eu de soucis. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans tous les cas, là, je peux commencer à leur faire un premier round. Alors, débattre d'un sujet avec... Bon, du coup, les sujets n'ont aucun sens, mais... Ah, on peut pas, cela. C'était quoi, ça, du coup? Faisons des recherches sur bien écrit. L'enseignement supérieur vaut-il la peine? Alors, du coup, il va débattre avec... Quentin, ils ont vraiment pas de relation. Faut peut-être que j'attende du coup.
Non, en vrai, vous pouvez rajouter un bonus en cours de route. Allez débattre. Si tu commences le débat et qu'on ajoute un peu de compétence après, ça va pas marcher. C'est vrai ? En effet, elle le demande en mariage. Attendez, soyons logiques. Non, attendez, ils sont sur le point d'aller en épreuve. Elle a dû lui dire, purée, si on réussit ça... on est prêt pour le mariage, ha ha ha. Hein, c'est plutôt ça. Je repense à ce que tu m'as dit, mais j'allais te dire, genre le jeu me troll. Ils ont entendu notre conversation. Je peux pas croire que c'est sincère. Moi, je pense que c'est plus en mode, enfin pas blague, mais en mode putain, si on arrive à cette épreuve et qu'on gagne et qu'on se connaît trop bien, on devrait se marier, ha. Mais tu vois, comme ça quoi. Si ça dit non, je sais pas. Si ça dit crazy, je sais pas. Bon, attendez, du coup, faut que j'arrête le débat parce que vous m'avez dit que si vous mettez un point ou pas. Du coup, il répond oui, mais non. Je sais pas ce qu'ils font. Attends, j'arrête le débat. Ah, c'est bon. Ils se sont quand même brassés même s'il a dit non. Ah non, attends, si c'est pas fait encore. C'est gênant. C'est gênant de fou. C'est gênant de fou, mais ça n'a pas existé non plus. Hein, parce que là, genre, ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Attendez, ils n'ont pas encore les sentiments négatifs. Voilà, c'est chose faite. Non, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Ils n'ont pas de sentiments négatifs. Bon, ils ont juste perdu un peu de relation, donc je vais laisser comme ça. On va pas faire que de les aider non plus. Mais peut-être qu'ils sont un tout petit peu embrouillés avant le truc, et puis voilà quoi. Mais c'est trop chiant. Hein. Ils voulaient rompre il y a 30 secondes. Non, arrête. Ah si, attends, elle est très embarrassée. Éternelle optimiste. Oui, bah là... Summer, tu vas où? Bon, attendez. Faire de la plongée avec Tuba. Summer, reste là. Restez dans un an, genre. Mais oui, enfin, voilà. Enlève les trembarrassés. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez prendre un petit bonus ou pas? Ou un malus, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez prendre quelque chose avant que je commence Non mais frérot, il a 200 millions de trucs ou il est pas content. Avant que je commence l'épreuve, si je puis. Non, pas de bonus, pas de malus? Tu dis non pour ça, Smooth? Juste pour enlever les moodlettes, ouais, non mais... Ils se sont un peu pris le fiac, là. Ça arrive au même au meilleur. Mais on a déjà voté. Ah bon, j'ai pas vu. Ah, vous avez voté. Un bonus pour Kenessa. Ok. My bad. Alors, le bonus pour Kenessa, vous voulez genre ajouter un point de compétence? Mettre les besoins à fond. Oui, ça, je les ai déjà fait juste avant de partir. Donc, s'ils ont déjà envie de se pisser dessus, c'est leur problème. Hein. C'est plus bien. Voilà. Alors, en bonus... Excusez-moi, c'est moi, j'avais pas vu le truc des débats. Je sais plus parler, des sondages. Compétence à Cantingue. Compétence à Cantingue, ok. Compétence à Cantingue. On lui rajoute un petit point, il est level 3 au débat. Ouais, c'est moi, les Aymarian, c'est moi. Bon. Je me suis perdue. Ouais, compétence à Quentin. Allez. Du coup, oh, mais à chaque fois, je cherche mes compétences. Chercher des bas. Tu as 3, ma biche. Voilà, il a son petit bonus. Non, t'inquiète, personne va être pénalisé, je pense. Pardon, je range déjà des trucs pour demain, t'as besoin. T'inquiète. Voilà, bon, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer du coup. Alors, débattre d'un sujet.
Bon, je crois... Ouais, vous me demandez s'il y avait quelque chose par rapport à l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est très centré sur l'école, ce qui est logique, puisque c'est un truc de... à la fac. Donc, peu importe, hein. Voilà. Donc, j'avais dit Quentin, Isaiah. Ici, Lucie... Lucie, elle a la romance avec tout le monde, je sais pas ce que ça peut influencer, mais bon, Lucie Summer. Et du coup, derrière, on va avoir un débat Vanessa Raff, Hang. L'enseignement supérieur en vaut-il la peine? La peine. Oh putain, j'arrive plus à parler, moi. Voilà! Normalement, ça influence rien. In the doubt! On n'a pas payé là. Vous avez pas payé, c'est vrai. C'est pas grave, j'ai déjà mis le truc. Alors, est-ce que là je peux voir tout le monde si je me mets comme ça? Merci Camille. Allez, c'est parti. Ah merde, vous voyez pas, il y a ma tête. Moi je vois tout le monde, mais... Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Je pense que ça sera surtout au niveau des moodlets qu'on verra qui a gagné et qui n'a pas gagné. Je vous régale, mais merci beaucoup Camille. Merci infiniment, gueux. Je peux pas mettre en faux 3, vous m'avez dit que ça... C'était pas gagnant, donc j'attends. Je sais pas si c'est long les débats d'ailleurs. Je suis trop pauvre en fiaquer, j'ai perdu toutes les prises. Bah là, en vrai, vous avez été beaucoup à mettre une prédit sur Kenessa et vous l'avez donné un bonus, donc en théorie... Lucie, I believe in you. Ouais. Après, là, ils se battent pour l'honneur et la love room, quoi, tu vois. Genre là, c'est pas pour faire rentrer des gens ou quoi que ce soit. Et pour rappel, tiens, je trouve ça intéressant pendant qu'on est là. Summer et Jaden, donc il est plus là, mais ils avaient gagné deux défis de compatibilité. C'était le deuxième couple à gagner le plus de défis de compatibilité, puisque le premier couple qui en a gagné le plus, c'est Quentin et Vanessa. Ils ont gagné 3 défis de compatibilité en tout. Les deux premiers du début de l'aventure et celui d'hier, enfin d'avant-hier. Enfin d'hier pour eux et d'avant-hier pour nous. Donc c'est eux qui ont gagné le plus de trucs. Donc s'ils regagnent aujourd'hui, bah ils auront vraiment explosé tout le monde au niveau des débats, quoi. Des défis. Sept cartes sur Samayas. Ah! À voir, du coup. Ça me fait trop rire à chaque défi. Je vais participer aux prédictions, mais je comprends rien aux règles. J'attends juste de voir si j'ai gagné ou perdu des défis qui comptent. Ça se trouve, Summer va retourner avec Jaden après l'émission. T'imagines. Ah, c'est ok, ça doit être fini. Alors, bah, enfin, en tout cas pour Quentin. Il a gagné ou pas? Faire des pompes. Mais comment on sait s'ils ont gagné ou pas? Il a gagné. Domination du combat. Débat avec son adversaire. Il est venu, il a parlé et il a vaincu. Vous avez mis un bonus à Quentin, il a quand même perdu. Quentin, il avait juste trop envie de faire sa danse blick-block. C'est ça. C'est juste ça. Je reviens à temps. J'attends quoi, Aura? Oh non, la pub. Ah, ok. Mais c'est une dinguerie. Zéro effort. Genre Quentin jusqu'au bout, c'est ça. Donc du coup, Isaiah a gagné. De ce côté-là, qu'est-ce que ça donne? C'est pas tout à fait fini, j'ai l'impression. Non. Mais du coup, ça veut dire que... Attendez. Si Vanessa perd, là... Déjà, eux, ils sont finis, en fait. Ce couple-là est terminé. C'est fou. J'ai loupé, j'ai une pub. T'as une pub rouge pour de vrai? Mais comment c'est possible? Alors attends, là c'est qui a gagné? Lucie a gagné? Je suis pas co avec mon compte sur mon chrome. Ah ok. Lucie a gagné. Donc Summer a perdu, logiquement. Et ici, débat douteux. Ok, donc Vanessa a gagné. Ok, donc en fait tous les couples sont encore en lice. Quentin a perdu, ouais, rouge. Quentin a perdu. Attendez, est-ce que je peux le faire rentrer à la maison juste pour me rappeler qui a gagné, qui a perdu? Summer a perdu, si je ne dis pas de conneries. Summer a perdu.
Et Raph a perdu. Rentrez à la maison, comme ça je me repère. Mais attendez, ils rentrent tous à la maison là ? Non, va pas parler à Elphaba. Putain, elle fait chier elle. Hein. Je vous jure, je vais trop la supprimer de toutes mes games. Arrêtez d'aller nager à la bouée aussi. Ma sœur. Réessayez les objets. Ok, donc voici les restants. Qu'est-ce que je voulais dire? Raph Pitié. Ouais, voilà. Donc là, il nous reste 3 personnes. Donc on va faire débattre. Avec. Je suis avec qui là? Vanessa et Isaiah. Voilà. On va commencer par eux. Un gagnant pour chaque couple, du coup. Ouais, ça m'aurait presque arrangé qu'un couple perde déjà. Mais. Ah, vous la voyez pas? Qu'est-ce qu'elle a fait, Lucie, là? Pourquoi elle a fait un espèce de pirouette cacahuète, là? Regardez le débat. Ok. Regarde. Ah, idée. Ah non, ça marche pas, pas idée. Allez, Vanessa, ouais. Lucie, elle fait son propre débat. Mais elle a fait une espèce de pirouette cacahuète, là? Pas compris. Mais là, du coup, tu élimines si ça perd direct. Non, bah non. Je pense que ce que je vais faire... Vous me dites si ça se tient. Genre, par exemple, Vanessa gagne. Isaiah perd. Vanessa est qualifiée. Mais là, Isaiah, il redébat avec Lucie. Nang. Et après, du coup, Vanessa, Lucie, par exemple. Non, parce qu'il faut que chaque personne fasse un débat contre les deux autres. Nang. Bah, chacun, tous les trois, et celui qui a gagné le plus gagne. Ouais, on peut faire ça aussi. Le gagnant qui a le plus gagné, gagne. Ok. Ça marche, on fait comme ça. Ça va, c'est pas très long, les débats. Par contre, va falloir qu'on se souvienne, hein. Je nous connais, hein. Where is my stylo? Donc là, on est sur... Attention, hein. Vanessa... Isaiah. Moi, je mets juste un I parce que... Oh, Lucie, elle soutient qui? Youhou! Non, tu vas pas nager, tu restes là. Merde, il fallait ici ensemble, c'est pas ce que je voulais faire. Reste là. Lucie. Oh, mais mes notes de ce truc, c'est une dinguerie. Qu'après, on reprend les notes, non mais je te jure. Allez, reparti nager! Reste là. C'est quoi son envie avec Raph? Bah, l'épouser sûrement. Faire crac-crac avec Raphaël! C'est vrai qu'ils ont jamais eu la Love Room? Du coup, ils ont jamais pu. Ah, j'y pep. Alors, il a gagné encore là? Oh, elle a perdu Vanessa. Ok, donc Isaiah a gagné. Ok. Du coup, Vanessa là, va redébattre avec Lucie. Voilà. Il est trop fort, ouais. Du coup, pour l'instant, bah, lui, il a gagné tous ses... il fait des pompes pour fêter ça. Lui, finalement, pour l'instant, il a gagné tous ses débats, quoi. C'est qui son coup de cœur? Le coup de cœur de Kig? J'ai pas vu. Non, il s'enlève automatiquement, je crois, Cory. Je peux l'enlever si tu veux. Mais là, tu vois, je peux l'enlever. Hop. Voilà. Lucie, elle veut faire un truc avec son coup de cœur, c'est qui? Ça, c'est un truc coup de cœur. Organiser un rencard parfait, ça. Et à côté, faire crac-crac avec Raphaël. Et elle a peur du feu aussi. Et lui, il veut devenir l'ennemi pardon, de Nine, je sais pas qui c'est. Améliorer sa compétence fitness. Ok. Et Vanessa, elle veut demander à Quentin comment s'est passée sa journée. Et elle veut l'embrasser. Enfin, elle veut embrasser quelqu'un, mais du coup, c'est Quentin. Mais un rencard avec son coup de cœur. Non? Cœur d'artichaut. Proposez un regard à votre coup de cœur et visez l'or. Je pense que c'est juste une manière de dire... ils veulent pas dire partenaire ou je sais pas quoi, du coup ils disent coup de cœur, je sais pas. Ils précisent pas avec Raph. Non, du coup, non. Pour le rencard, non. Mais par contre, elle veut faire crac-crac avec Raphaël, ça oui. Mais attends, il est en train de faire bouh, lui.
Regardez le débat. C'est trop drôle qu'ils regardent le débat, en vrai, j'aime trop. Vanessa, elle a encore perdu. Hong, Vanessa. Ok, donc là, Lucie, elle a un point. Ok, très bien. Vous allez où? Et là, du coup, Lucie, Isaiah. Lucie, Isaiah. Voilà. Pitié qu'on lui donne la Love Room. Elle a faim, hein. Allez, Lucie. Lucie, là, c'est ton moment. Hein. C'est pour gagner la Love Room et pour réaliser ton rêve. C'est la finale, du coup, là. Ouais, puisque Vanessa a zéro gueule. Vanessa. Oui, Vanessa, ouais, je dis bien. Tu sais, Lucie, vous voulez que Lucie gagne, du coup, pour réaliser son rêve de faire crac-crac avec Raph, c'est ça? Après, vous êtes pas mal à avoir mis des points sur Summer Isaiah, donc bon, je sais que... Vifiaki, continue. Vote pour Kenessa qui part en fumée. Ouais, là, du coup... C'est mort. Ça aurait été rigolo qu'ils gagnent encore parce que, comme je vous disais, c'est eux qui ont gagné le plus de débats. Enfin, de défis. Je crois que j'ai débat. Je me souviens plus qui j'ai prédit, c'est vrai. Allez, Juicy Lucy. Elle est bien et lui, il est confiant en vrai. Très de caractère sûr de lui. Arr. Si on a la Love Room, j'offre l'action crac crac craf et Lucy si vous voulez. Tu as prédit de gagner ça par mois. Ah oui. Allez, allez, Juicy Lucy. Elle a l'air de chier dans la colle. Après, il est très très fort, Isaiah. A priori, il connaît très bien Summer. On se refait pas encore. Allez, moi je suis pour Lucie quand même. Ils ont pas mal papoté, ils ont une très bonne relation. Hein. Après, Lucie voulait épouser Raph il y a 2 secondes, donc elle doit bien le connaître aussi. Hein. Il a gagné. Hong. Il a gagné. C'est Isaiah et Summer qui ont la Love Room ce soir. Voilà. Ouais. Vous êtes déçus! Ouais. Après, on peut peut-être trouver un moyen pour qu'il fasse crac-crac. Hein. On a un placard, on a des douches. Nouvelle règle. Bon, en tout cas, Isaiah et Summer ont gagné. Au pire, il n'y a pas un jacuzzi. Il y a un jacuzzi, il y a une douche, il y a un placard. Attends, le moment où ils vont se passer des trucs de beau, le moment où je pars manger. Ok, Léa, on se tient au courant hein, de ce qui se passe pendant que tu manges. Bon appétit, ma vie. Faut mettre un placard ou un buisson pour rafler. Ouais, non. Il mérite mieux qu'un buisson, franchement. Un petit jacuzzi, c'est pas mal en vrai. Mais Lucie, sois pas embarrassée. Tu t'es bien défendue, t'es allée en finale pour essayer de ken ton crush. C'est mignon. C'est mignon. Je peux offrir un crac-crac à Raph, Lucie, s'il vous plaît. Oui, vas-y, non, arrête, Marianne. Du coup, là, Summer et Isaiah ont gagné un date. Donc, je pense qu'on va aller faire SAG, en fait. On va aller en petit date. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi ça? C'est des house? On va à la plage? Ça leur a bien réussi. C'est là où ils ont leur premier date. Oh, c'est mignon. Leur premier et leur dernier date, du coup. C'est chou. Allez, c'est Chipar, le petit date. Mais attends, OMG, on a le bonus de recommencer le défi. Vous voulez recommencer le défi? Stop. Vraiment? Tout recommencer à zéro? Là, faut faire un sondage, hein, parce que c'est quand même une grosse décision. En vrai, non, c'est trop tard. Je pense aussi. Si vous voulez, je vois qu'il y a des oui, on recommence. Si vous voulez, on peut faire un sondage. Et comme ça, les lurkers et les lurkeuses peuvent également donner leur avis. Mais juste la finale, Lucie, Isaiah. Juste la finale. Bon, les mamans ont dit non. Seulement la finale. Je sais pas, ça...
Ça, il faut que vous vous mettiez d'accord avec un sondage. Parce que c'est une grosse décision que seule l'entièreté du chat peut faire. Merci, Marianne. Dans tous les cas, ils auront leur crac-crac. Dans tous les cas, ça va ken. Et c'est ça qui est beau. Je voulais refaire le débat, j'y vais. Dans tous les cas, je vais un crac-crac, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, Lucie va réaliser son rêve. Lucie va voyager. Dans tous les cas. C'est juste que vous aimez bien les défis de compatibilité et que ça va vous manquer. Du coup, vous voulez refaire celui-là, c'est ça? C'est ça? Tu avais gardé tes points pour eux. Mais Myriam, tu crois pas? Elle est riche! Elle est ultra riche! Ça dépend juste du confort que vous voulez, quoi. Ouais, c'est vrai que la Love Room, il y a et le lit et la douche, quoi. Alors que... Bon, il y a moyen que ce soit un buisson, comme vous dites, sinon. T'as tout compris, c'est ça, hein? Parce que refaire que la finale, ça fera pas gagner Quentin, donc bon. Oui. Si on refait que la finale, Kenessa a bien, bel et bien perdu, ça c'est sûr. Et l'intimité, il mérite un peu d'intimité, c'est vrai. Donc cette fois, j'y vais pour de vrai. Oui, voilà, t'as causé du mischief, comme d'habitude, et puis t'es reparti, toi. Bisous, ma vie, à tout à l'heure. Mais ouais, vous voulez refaire la finale, j'ai l'impression. Quoique c'est serré, en fait, je vais attendre un petit peu, parce qu'en vrai, ça peut vite... Ah non, il reste 25 secondes. Bon, on va refaire la finale, du coup. Ouais, sinon, c'est long quand même, et puis là, c'est vraiment de la... Enfin, c'est de la triche. C'est pas de la triche, mais c'est plus un petit bonus, quoi. C'est carrément tout refaire. 13 secondes, 12-17. Est-ce qu'il y a 5 personnes qui vont voter non en 8 secondes? Je pense pas. On va refaire la finale, du coup. Alors, j'y retourne. J'y revas. On peut mettre un lit de place pour toutes les chambres maintenant que la finale est passée. Eh, c'est peut-être pas bête, ça, précis. Elle a pas payé son recommencer, la sale bête. Tu attends qu'elle revienne, elle va le payer elle-même. du coup, on prend juste... Ah, on peut pas. Je peux pas prendre Lucie, bah pourquoi? Elle est déjà sur le terrain. Enfin, je peux pas prendre Lucie. En tout bien, tout honneur. Hein. Je vais pas me mettre contre les couples, hein. Vous inquiétez pas. Bah, elle est déjà en position, elle est prête à prendre sa revanche, hein. Débat d'un sujet avec Lucie. Allez, on rejoue la finale. Le premier qui veut paye, ouais, ouais. Moi, j'aurais laissé ça à la sale bête, hein. Ouais. Allez, Lucie, la France est avec toi. J'ai peur. Merci Aura pour le malus. Le bonus plutôt, le bonus. Les moodlettes. Oui, pardon, les moodlettes. Elle était bien, elle. Lucy, juicy, juicy Lucy, bats-toi pour ton bed. Bats-toi pour ta suite. Quel est l'intérêt d'avoir le Love Room? Ouais, pas grand chose. À part le confort. Tu peux imaginer que. T'as vu, les pièces, elles sont quand même petites, les chambres sont petites. Donc tu peux imaginer que c'est toujours plus intéressant d'avoir une grande chambre avec salle de bain privative plutôt qu'une toute petite. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a rien vu? Non. Attends juste, rentrer à la maison. Elle est effrayée à cause de l'eau. Et lui, il dit, elle est chiante en gros. Partir dans... Parler de même à foison. Mais il est lourd aussi! Rentrer à la maison! Pourquoi il passe par une phase? Qu'est-ce que vous racontez encore? Elle veut rire avec Quentin, non. Oh la langue... Pendant ce temps-là, nous, on fait quoi? On débat? Ils sont où? Ok. Mais elle rigole en plus, aucun sens. Non, mais je te jure. Retire confiant. Mais personne n'est confiant, là. Ils sont bien. J'ai tout retiré, t'inquiète. Faudra raconter à Léa, ouais. Allez, Lucie! Mais ils font quoi, les refs? Mais j'ai pas compris. En plus, tu vois...
Genre, elle est pas bien parce qu'elle aime pas être dans l'eau ou je sais pas quoi, elle a peur. Et ils sont tendus à cause de ça, genre ils sont pris la tête à cause de ça, je sais pas, j'ai rien compris. Elle ne croit pas que Quentin s'est foutu de la gueule de la folie de Vanessa. Ouais. Je sais pas si c'est foutu de sa gueule, je comprends pas pourquoi je m'étais tendue, mais bon. Mais elle rigolait à sa blague en plus, ça n'a pas de sens. J'ai vraiment pas compris. Et là, les joueuses, ouais, elle a rigolé. Même bien choisie. Une personne gênante qui parle d'eux-mêmes. Voilà, donc ils sont très heureux. Pas compris. Qu'est-ce que ça donne ici? C'est pas fini encore. Gagne ton crac-crac, mais oui! Mais pourquoi tu nous appelles? Elle est sur le point de finir. Allez, c'est long là, il va faire tout noir là. Le date, il va. Elle a gagné? Elle a gagné. Ça y est, elle a gagné. C'est donc elle qui part en date avec Raph. Voilà. Let's go, ma poule! Ouais, ouais. Ça va, Ken. Et ouais. Non. Mais si, malheureusement. Enfin, malheureusement. Si, si. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Ils vont être en petit date, et 18h, je pense, jusqu'à 21h, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez... Vous pouvez venir là, là, vous poser un petit peu, admirer le ciel, voilà, je sais pas. Je vais leur faire une première action comme ça. Après, ils vont se débrouiller. Je sais pas, il y a un truc pour faire crac-crac ici? Pas ouf, hein. Lucy Juicy, de ouf. Applause pour le crac-crac. Pas grand-chose. Il n'y a pas de lieu à crac-crac. Faut mettre un buisson. Mais ils méritent mieux qu'un buisson pour leur première fois, quand même. Je vais penser à un petit jacuzzi, peut-être. Jacuzzi dans la mer, ça ne fait aucun sens, mais bon. Ah oui, mais du coup, ils auront la love room, donc ils feront ça dans la love room. Hein. Oula, j'ai fait tout bugger mon jeu, pardon. Voilà, là, c'est juste un petit date pour les rapprocher un petit peu plus, quoi. On leur laisse quelques heures, voilà. J'espère qu'à la villa, ils vont pas faire de bêtises, les autres, hein, parce qu'on connaît. Ouais, Myriam a pris un save, ouais, bon, si vous voulez. Hop. En plus, ils ont attendu tout ce temps, ils peuvent avoir du confort. Ouais, c'est clair. Mais regardez-les, par contre, ils sont trop choux. Ils sont trop beaux. Genre, franchement, Lucie, elle l'a cherché son match parfait, si je puis. Hein. Première nuit, elle a matché avec Jayden. Deuxième nuit, elle a matché avec Kenji. Kenji s'est fait virer. Du coup, pour la troisième nuit, elle a matché avec Rémi, par la force des choses. Quatrième nuit, elle a matché avec Quentin. Et depuis, elle matche avec Raph. Du coup... Le cinquième était le bon. Ils sont trop beaux. Ouais, ils sont trop beaux, hein, vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Espionner Raphaël, mais pourquoi? Oh, le petit bijou! C'est vraiment pas nécessaire que tu sortes tes trucs encore, hein, tes jumelles. Me cringe à faire ça, vraiment, elle est trop chiante cette animation. Première prédic que j'ai gagné. Ah, trop mignon! Oh, ils sont trop choux. Par contre, ah oui, ça a un peu baissé quand il a dit non à la demande en mariage, c'est vrai. Et du coup, vu que tu vas pas payer ton crac-crac, Marianne, vu qu'il n'y a pas besoin, vu qu'ils ont la love room. Ah bah si, tu peux quand même le prendre là-bas, ouais. Sinon, j'allais dire, vous pouvez prendre un truc maintenant. Ah ouais, non, par contre, les jumelles, c'est trop nul. Ça gâche tout le trait espion, quoi. Si, ça me fait plaisir. Moi, j'ai envie de le... Voilà, c'est la fin de l'émission. Écoutez, j'ai envie de... Mais pourquoi elle fait des backflips comme ça, là? Faire des farces de fête. Ok. Elle va lui pincer les fesses. Je trouve ça mignon. J'ai un stalker. Ouais, je sais pas. C'est...
Ah oui, parce qu'elle est en train de danser, elle peut pas lui pincer le fiac. Il danse pas, parle pas avec lui. En vrai, moi j'avais tellement misé sur... Oh, ils sont très satisfaits de leur horloge. J'avais grave misé sur Juicy Lucy et Kenji, que j'avais pas vraiment vu le potentiel Raph-Lucy au début, mais trop mignon. Je pince le fiac, mais ouais, ça me démange. Coucou Tristan! Comment ça va? Merci pour ton prime. Comment tu vagues? Comment ça va, Bing? Ça fait plaisir de te voir là. Ça m'intimide. Je suis pep. Je sais que tu vas pas me répondre dans le chat, mais... Merci beaucoup. Merci pour ton soutien, Inge. On l'a assez tendrement. J'ai fait qui, là? Ok, c'est bon, c'est lui qui fait. Mais c'est qui ce type? T'as pas l'impression de tenir la chandelle, comment il s'appelle? Ok. Moi je propose que tu t'en ailles. C'est... Voilà. Merci. Ok, il est quelle heure? 21h, on va rentrer. On va faire petite soirée déguisée ce soir. En tout cas son make-up est incroyable. Ouais, de fou, par contre. Ça va partir en kiss and grind. Ah putain, ça fait longtemps que... Un petit coup. Attends. Oh, le petit massage. On ne dit pas non. Intimité physique. Ah, mais ils ont même pas fait leur premier baiser. Attendez, je suis obligée de faire ça pour débloquer les autres trucs. Lucie et Raphaël embrassent quelqu'un pour la première fois. Comment te dire? T'as pas l'impression de nous faire chier? Avec ta télé? Casse-toi, toi! Non, mais c'est une dinguerie, ça. Attends. Ouais, merci. Elle a rééteint la télé quand même avant de partir. Faire crac-crac ici. Faire crac-crac sur un objet hors du commun. Demande en mariage. Arrêtez ça, on a déjà assez compris. Kiss and grind. Kiss and grind. Passionate make-out. Allez, là, on a besoin. On rappelle qu'ici, on vit par procuration. Ang. La love room. Oui, la love room, la love room. Mais est-ce qu'on peut pas un petit peu se kiss and grinder ici? Attendez, on est où? Oh, non, mais par contre, ils sont absolument trop beaux. Miniature? Wesh. Au pétard, mais oui. Non, par contre, ils sont trop, trop beaux. J'ai envie de jouer avec eux hors télé-réalité. Je vous jure, je les aime trop, tous les Sims qu'on a créés. Et ça va être trop bizarre de plus jamais les revoir. Ses lèvres, mais ses lèvres. Non, ils sont trop beaux. Ils sont absolument incroyables. Bon, Marianne, il faut que je t'envoie Lucie. Il faut qu'ils soient ensemble dans ta game aussi. C'est pas possible autrement. Ils sont faits pour être ensemble. Voilà, je... Comment il arrête? Crap, après! Non! Bisous ma rouge, à bientôt. Passe une bonne soirée toi aussi. Oh non mais... Je vais 100% jouer avec eux ensemble. Ah mais obligé. Obligé. Qui a gagné? Bah Raph et Lucie du coup, puisqu'ils sont en date actuellement. Mais là je pense qu'ils vont rentrer. On y est... Il est 22h. Il est temps d'aller faire la petite soirée. La dernière à la villa. Une petite soirée déguisée, je pense. Bon, on prend Raph. Mais du coup, les autres sont déjà à la maison, hein, en théorie. Ah non, pas Isaiah. Voilà. Le défi. Oui, le défi, ouais. Les Plinosas étaient en date, c'est vrai. Aspirée, costume, Meg. Ouais. Bah, ouais. On va les mettre en tenue. On les met où? En vrai, je vais ouvrir... Je vais ouvrir à la, autour de la swimming pool. Parce que bon, j'avais un peu tout enfermé là, écoutez. Ça va, je vous rends votre liberté. Mais par contre, faites pas n'importe quoi. C'est la dernière soirée, on est là. On drague seulement son partenaire. Faut que je mette des portes. On est sympa avec les autres, mais on les drague pas. Et on danse, on chante, on fait la fête. Mais on arrête les conneries. Hein. S'il vous plaît. Est-ce que Raph et Lucie ratent la swimming pool pour profiter de la love room ou...
Attends, parce que j'ai juste envie d'avoir un moment où ils sont tous autour de la poule et ça danse, tu vois, dans leur déguisement. C'est mon petit côté casse-couille. J'ai envie, pour le storytelling, d'avoir un petit clip d'eux où ils dansent. Ça se kiss and grin ou quoi? On est insupportable. Alors, les petits déguisements. Merci beaucoup Naomi pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ici on a Summer. Mon petit pompier là. Faut qu'il éteigne le feu de Lucie parce que... J'allais dire que je me suis souvenu que j'étais en stream. Sur internet. Attendez, je me suis perdue du coup. Change la tenue, hop. Pompier. Hop. Quentin, il est où? Il est où? Je le vois pas. Pourtant, je l'ai téléporté ici. Qu'on les ait pas déguisés pour rien. Eh oui. Quand même. Pourquoi je peux pas le téléporter? Et Vanessa aussi. Vanessa est assise, donc elle va pas vouloir se téléporter. Je sais pas où elle est. Mais... Il a disparu. Ouais, que... Ok, il est là. Vanessa, où es-tu? Alors, pour la blague, c'est vrai qu'on lui avait mis la pêche. Je suis pas sûre que ça fasse rire Vanessa. Tous les couples vont matcher sauf eux. Kinessa en voie de disparition. Après, tu sais ce que ça veut dire hein, quand tu trouves... Oh, trop chou! Attends, je t'ai pas mis en tenue en plus. Oh, trop chou! C'est tellement Quentin que la pêche. Ouais, mais tu vois, du coup, tout le monde dit... Tout le monde dit... ils sont tous en train de matcher, et lui, il arrive en pêche, et elle va arriver en truc de différent, du coup, elle va pas aimer. Ça va la saouler. Enfin, c'est pas qu'elle va pas aimer, mais elle va être en mode... Oh, mais non, mais Quentin, on avait dit qu'on matchait. Du coup, il changera peut-être après. Mais là, c'est pour la blague. Hop. Voilà, et ce que j'aimerais, c'est que... on danse tous ensemble. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, faut que je fasse le groupe. Attends. Faut que je fasse une petite action de groupe. Pff, Sanjay, Selina, là, comment vous dire? Et Rémi. Oh, mais on en a perdu des gens. Inès, Rémi, Sanjay et Selina, ça dégage. Par contre, on peut remettre Summer et Isaiah. C'est vrai qu'on les avait virés. Voilà, en tout bien, tout honneur. Hein. Et là, je vais enlever ce genre d'activité. Je vais mettre social, être drôle. Avec, oups, avec le groupe. Être amical. Avec le groupe. Et danser. C'est dans quoi, ça? Extérieur. Langue. Loisir. C'est où, la danse? Je sais même pas si ça sert que je mette la danse, en vrai. C'est dans loisir. Débattre. Pas danse. À débattre, c'est fini, hein. Plus jamais. C'est pas dans le loisir. Activité d'intérieur, non. Non. Divertissement, peut-être. Ah, peut-être. Non. Bah. Attendez, je suis aveugle. J'oublie. Je vois pas. Je cherche danse, Marianne. Ah, c'est dans musique. Ah bah oui, c'est logique, en fait. Danser. Purée. C'est vrai que... Ouais. Utiliser la cabine de DJ. Putain, j'aurais dû mettre ça. Bon, bref. Allez, ça suffit. Là, c'est bien. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer la réunion. Et en faisant une réunion, je vais pouvoir faire danser... Ah non, je peux pas faire danser tous ensemble. Mais ça me rend fou. Je voulais faire danser tous ensemble, moi. Je vais être encore obligée de les enfermer, en fait. Qui c'est qui est pas dans la salle, là? Vanessa, ça c'est qui? Raph. Je les enferme, hein. Je suis désolée, hein.
T'inquiète pas, après Raph, je vais t'enfermer avec Lucie, ça va être très sympa aussi. Lance la réunion, tu pourras. Je l'ai pas lancée encore ? Putain, mais j'en tiens une sacrée couche, hein. Sacrée couche de conneries. Mais si, mettre fin à la réunion. Pourquoi je peux pas ? Ah voilà, danser ensemble. Danser ensemble, voilà ! Ah, c'est au bord de la piscine pour la séquence. Mais oui, purée ! Ah, ça y est, ça y est, ça y est ! On l'a ! On l'a ! Attendez, il faut que j'enlève les trucs au-dessus de leur tête. Hop, hop, voilà ! Oui ! On va avoir un beau plan ! Oui ! Il manque quelqu'un. Raph ! Raph ! Danse, ouais, 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 t'as intérêt, Raph. Raph ? Raph arrive, ok. Mais Raph, tu vas pouvoir rentrer ? J'en étais sûre, Raph ! Ok. Ça rend trop bien ! On dirait qu'elle lui fait une danse de séduction dans le dos. Ça me fume. Attends, je peux l'ajouter là ? Danser, voilà. Oh ! C'est trop chou ! Par contre, Quentin, il me termine. Hein. Regardez l'outfit de Quentin. Ah non, il n'y a plus de porte. On s'embête plus avec les portes ici. Regardez Quentin ! C'est trop chou. Le magnifique costume de Quentin pour la séquence, il faut. Voilà. Voilà nos finalistes. Quentin. Ah, c'est une dingos. J'adore. J'ai la danse dans le sang. D'accord, Quentin. Si tu veux. Si tu veux. En vrai, c'est très mignon, là. Quentin, il va changer de tenue. Je lui ai mis la même tenue que Vanessa. Pour qu'elle soit contente. Et je vais leur faire danser un petit slow. Je peux. Danser un slow avec Vanessa. Voilà. Ils vont être trop chou. Bah, d'ailleurs, je vais faire ça avec tous les couples. Lucie va danser un slow avec Raph, évidemment. Et Summer et Isaiah. Trop chou. Quentin sera entraîné à fond, en plus. Ah, mais Quentin, il est venu, là. Il voulait prouver, hein. Il est trop chou, Quentin. Il a gardé son bob. Il me fume. Vous pouvez faire comme je vous ai dit, là, s'il vous plaît. Petite danse... Non. Si je fais ça, ils vont peut-être passer à la danse solo. Non. Vous êtes pas très fun. Moi, je voulais des slow. Je voulais bader. Un peu. Et Quentin qui slay. Super. Attendez, je vais leur faire arrêter toute leur action. Discuter avec Vanessa. Non. Juste arrêtez tout. Arrêtez tout. Que vous n'avez pas l'air de comprendre que je veux que vous fassiez des petits slows comme ça. Ah, vous pouvez pas ? Mais pourquoi ? La piscine ? C'est dangereux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Raph ? S'il vous plaît Claquettes de chaussettes. Ah bah claquettes de chaussettes, c'est la vie que Quentin a décidé de mener. Hein. Faites les slow, ils veulent pas faire de slow. C'est pas grave. Hein. J'en connais deux qui vont aller slow dans la chambre, dans la love room. Si je puis. Il est très enjôleur. Ah oui, c'est parce qu'il a make out avec Lucie tout à l'heure. Lucie vient de devenir une bonne amie de Vanessa. C'est trop chou. Ah. La petite envie de pipi. Voilà, voilà. C'est vrai que je me suis pas trop occupée des besoins. En même temps, on s'en balèque de leurs besoins. Franchement. Mais vous êtes sûr que vous voulez pas faire des petits slows ? Non, c'est sûr. Faut virer les chaises. Écoute, je vais tout virer. Je vais rétrécir la piscine. Je vais l'avoir, mon slow. J'ai tout pété. J'en ai rien à foutre. J'ai détruit cette ville-là, de toute façon. J'ai tout détruit, dans tous les cas. Alors, c'est quoi, ça ? Discuter ? Danse, ouais. Danse maintenant. Plus de choix. Slow avec... Oh !
Pas avec Vanessa. Oh non, toute ma vie, je les confonds, hein. Lucie. Lucie, tu fais quoi, là? Ouais, c'était bon. Voyons voir si là, ça fonctionne. Oui, là, ça fonctionne. Isaiah Summer. Oula, oula, il y a des trucs. Il y a des trucs. Plus de choix, danser un slow. Voilà. Mais pourquoi j'hésite toujours alors que c'est toujours la plus haute relation dans tous les cas? Hop. Et là, évidemment, le petit couple. Mais ils dansent so awkward. Pourquoi ils sont si loin l'un de l'autre, là? On récupérera pas la caution, non. Oh, trop chou. Ils sont vraiment trop mignons, par contre. Ils sont vraiment trop choux. Trop, trop mignons. Ça fait couple d'amis quant à Raphaël et Vanessa Lucie. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oh. Oula. Vanessa, t'as perdu Quentin? Non, il est là. Quentin vient de devenir un bon ami de Lucie? Trop chou. Coucou Néwoki. Ça va crac-crac ce soir. Ah ouais, là. Écoute, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre nos petits couples dans la love room. Voilà. Raph et Lucie. I think it's time. La la. Du bu bu. Il est temps d'éteindre le feu ou de l'allumer. Mais ouin, les amitiés. Mais oui! En plus, c'est tellement accurate parce que souvent, les dernières soirées, un peu où ils sont tous ensemble comme ça, c'est là où ça chiale, où ça se dit ouin. On va se perdre de vue, mais moi je vous aime trop, nanana. Ils deviennent tous amis, je craque. Mais oui, c'est trop chou. Mais moi aussi, je veux devenir amie avec eux parce qu'ils vont me manquer. Tu veux pas Kala. Tu veux pas Kala. Vous voulez pas vous Kala? Baiser passionné. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, arrête-tu avec les lapins de poussière. Un banger set anime. Musique romantique. Et ouais, sortez les bougies. Sortez les briquets. Oh. Oh, ils ont des sentiments. Oh, ça augmente. Le plus proche à ses souvenirs est plus mordu que jamais. Et connexion profonde. Raph, Lucie utilise la valise. Hang. Comment ça va ici? Oh non. Et alors, eux, par contre, ils sont pas très très potes, si je ne m'abuse. Ah, ça a augmenté un petit peu. Ils étaient pas super potes, ils étaient genre à 12. Et ils sont à 37. C'est trop mignon. C'est très 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 mignon. Du coup, Marianne, t'as pris, mon crac-crac est payé. Allez. Mon crac-crac est payé. Let's go, hein. Je fais crac-crac comme ça ou est-ce que je fais un petit truc valise, vous vouliez voir? Porter un déguisement. En vrai, ils sont déjà déguisés, donc... Porter un déguisement séduisant. Aléatoire. Vas-y, tente un truc. Je veux juste voir. Mais ça, c'est le kink de Isaiah, si on a bien compris. J'y paie. Bref, oublions. Essayer d'avoir un bébé, non. Mais faire crac-crac, wig. Merci pour ce moment. Ouais. Ouais. Bon, faut ignorer le... Hein? Oh, mais ils sont beaux! Mais incroyable! Première fois qu'ils font crac-crac de toute leur vie. Comme c'est mignon. Voilà. Qu'est-ce que t'as... Oh, mais ils sont trop choux! Ils sont trop choux. Vous savez quoi? J'ai envie de leur offrir... Faire crac-crac dans un bain à remous! Oui. Bah oui. Écoutez, pourquoi pas? Summer, arrête de danser. Il y a des meilleurs plans pour toi. Il est où le bain à remous? Attendez, parce qu'il faut que peut-être que je regarde. Enfin, que je regarde. Tout bien, tout honneur. Hein. Ça va, là? Ça se passe bien, ici? Tournée pour tout le monde. Ouais, ouais, ouais. T'as régalé toute la maisonnée. Si je puis. Là, je pense que ça va être exceptionnel. Crac-crac non protégé, oui. Oh. Arrêtez de me dire ça, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai pas enlevé le module, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'elle dit que c'est bien ou pas?
La culotte qui craque. Attends, je pose l'autre musique du coup. Ça me fait. Vous l'entendez bien, hein? La culotte qui craque? Ouais, je pense que oui. Elle est hystérique par contre. Oui, calme-toi. Hein? Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Vous voulez remettre ça dans la douche? Je propose. La culotte. Ils ont trouvé un marmou, eux? Ah, mais non, ils sont enfermés! Je remets une porte. J'en mets une porte. On danse, on co. Ah, il est là. Faire crac crac avec Summer, voilà. Allez, Vanessa! Danse sur la culotte qui craque! Solo! La culotte de Lucie! Ah, purée. Allez, Vanessa! Eh, elle était en rythme un peu, hein, t'as vu? Ça arrêtait même. Oh, les couples se séparent. Enfin, se séparent. Vous m'avez compris. S'asseoir ensemble. Pourquoi vous allez pas ken? Vous pouvez pas monter ici? Ah oui, j'ai tout fermé. Je vous téléporte. Pas de soucis. Je suis là pour vous. Une fois. La culotte. Bah. Mais non! Mais pourquoi tu veux discuter? Alors que je te propose un crac-crac gratuit? C'est pas possible! Il veut pas crac-craquer, lui? Écoutez, s'il veut pas, il veut pas! Mais. Non, c'est elle qui bug aussi. Il y a tout qui bug. Je vous enlève l'escalier. Voilà. Ça va être un peu plus simple. Voilà. Là, vous allez arrêter d'essayer d'aller parler en bas et de remonter. Après, vous m'avez énervé. Le crac-crac dans la douche, s'il te plaît aussi. Oui, tu veux le voir? Je crois qu'il va être fini du coup là. Non, ils y sont. Ils y sont. Oula. Ça va? Ça va? Ce soir, c'est crac-crac à volonté. Oui, franchement, oui. Par contre, elle va finir en. Elle va nager, faire des longueurs. Oui, c'est. Voilà. C'est l'idéal. Et eux, ils font quoi? Ils dansent? Ils continuent à danser, mais vite. Attendez, il faut qu'on leur trouve un autre endroit, eux. Le bain à remous. Nanana. Mais elles sont où les douches communes? Ah là. Crac crac avec Anessa. Voilà, c'est super. Vous pouvez là y aller? Ouais, vous pouvez. Le placard. Attends, 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 attends. Je zappe le bain à remous. Merde, on l'a loupé. Ang. Pourquoi tu veux l'accueillir? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ils l'ont pas fait. Je ne sais. Non losso. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe trop de trucs, tout le monde y passe. Ah ouais, ouais, bah là, attendez, il n'y a plus de musique par contre. Il n'y a plus de musique, je remets ça vite off, pardon pour l'écran noir. Oh, attendez, je loupe ici. Oh là là, mais c'est la false. Et action, je te jure. Voilà, bon là, écoutez, c'est la première fois qu'ils font crac-crac ensemble, ouais. Il est très joueur, j'ai peur. J'ai peur. Il a un truc à faire crac-crac dans la douche, oui. Il était déjà en train de le faire. Vous voulez faire crac-crac deux fois? Très bien, après, moi, je... Voilà. Et ici? Mais ils peuvent pas. Je pense que c'est buggé, non? Parce qu'on loupe à chaque fois. Attends. Non, c'est bon. C'est parce que... je sais pas. Ok. Eh ben, hey, si ça, c'est pas beau. Si on n'a pas vu, ça compte pas. La première fois. La première fois ensemble. Ah non, ils peuvent pas. Il est buggé, le truc? Je pense que c'est buggé, bon. Ça doit être buggé. Il y retourne. Rien compris. Le téléphone dans le... Oh! Tu sais quoi? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs. On s'en créera beaucoup à coup sûr. Oh, c'est trop mignon! Il est en train de lui dire, tu sais quoi? Partager cette aventure avec toi, c'était la meilleure chose. Et je veux continuer avec toi en dehors de l'émission. Je vais chialer. C'est trop, Raph. Il a enfin réussi à s'ouvrir. Mais regardez, je comprends pas, je pense que c'est bugué. C'est trop mignon.
Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, disons, il a été buggé un peu, hein. Ça a mis du temps à marcher, ça. Trop chou, en tout cas. Trop, trop mims. Petite Béa. Mais non, mais vraiment. Lui, il est très enjôleur. Mais ils sont toujours sous la douche. Oh là là. Là, on a trois couples et trois beaux couples, si je puis. Faut vraiment que je regarde mes modules du RPO, là, parce que je fais n'importe quoi. Hop, ils ont remis leur petit déguisement, ni vu ni connu, j'adore. J'adore, j'adore. Coucou Mélanie. Ouais, je pense que oui, parce que là, du coup, bah, tu connais pas trop les couples ou quoi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un peu difficile de suivre ce qui se passe si on connaît pas trop les couples. On est sur la fin. Voilà, c'est la finale. Et puis demain, ça sera la réunion où on voit ce qu'ils sont devenus quelques années après. Donc, j'aime trop tous. Mais moi aussi, ils vont trop nous manquer en vrai. Hein. Ils sont trop mignons. Ils sont tous enjôleurs. Trop adorables. Écoutez, je pense que... It is time. It is time to see who win the show. Je pense que c'est le moment. Alors, ce qu'on va faire, on va se déplacer sur un petit terrain bien sympathique. Il n'est pas si sympathique que ça, je vous avoue tout. C'est bon, on est tous les six. On va mettre nos plus belles tenues. Mais aucune grossesse, faites pas gaffe à ça. C'est juste mon truc RPO. Faut vraiment que je change ça. Il y a un autre truc que je dois changer, c'était quoi? Ah oui, les MST aussi, c'est chiant. Alors, ils vont s'asseoir. Ah bah oui, j'avais mis quatre bancs du coup. Oh, mais j'imaginais qu'il ferait nuit. J'avais imaginé que c'était en soirée, du coup c'était plus joli dans ma tête. Parce que regarder de nuit, ça aurait donné un peu comme ça. C'était chou, hein. Bon là, évidemment, de jour, un peu différent, mais tant pis. Oui, il était trop chou dans son costume. Bah de base, il avait mis la pêche et puis après il a changé. Il a changé. Mais là, justement, ils vont se changer et ils vont mettre des petites tenues. Voilà. Bon, Quentin, c'est Quentin. Hein, mais sinon, les autres vont essayer de se mettre un petit peu sur leur 31. C'est la finale. Hein? Petite robe, voilà. Ça, c'est comment? Oui, voilà. Ils se font tout mignons, tout beaux. Ça change de les voir toujours en maillot de bain. Ouais, on peut faire une prédit, hein? Pour qui va gagner? De toute façon, c'est pas vous qui influencez le vote. Enfin, vous l'avez influencé d'une certaine manière au cours du let's play. Mais là, c'est eux qui vont voter maintenant. Hop, ils sont trop beaux. Hey, Isaiah et Summer qui matchent. Alors que bah, quand on a créé leur tenue, on savait pas qu'ils allaient être ensemble. Mmh, c'est trop mignon. Trop, trop chou. Et qui c'est que j'ai pas changé? Bah oui, Vanessa, du coup. Hop, Vanessa, est-ce qu'elle match avec Quentin? Bon, en même temps, Quentin, il match pas grand bon but, la dégaine. Mais c'est trop chou. Ils sont trop mignons. Hein. Match grave, hein, c'est vrai. Hein. Alors, ici, on va avoir du coup Vanessa et Quentin. Isaiah et Summer. Et last but not least, Lucie et Raphaël. 5 minutes, donc ça donc va pas trop vite. Ouais, ça marche. Je vais faire au mieux. Pour... Déjà, je vais enlever l'autonomie parce qu'ils vont faire que de se lever. Et moi, je veux que vous restiez assis. Hop là, autonomie désactivée. Voilà. Allez vous asseoir, mes petites vies. Il y a des rafraîchissements si vous avez besoin. Ouais. Quand on dirait un peu que sa tenue de soirée, c'est la tenue de fin de soirée, c'est ça. Franchement, c'est ça. Vous avez donc trois couples en lice. On a notre cher hashtag Kenessa. Petit couple qui nous en a fait voir des vertes et des pas mûres tout au long de l'émission, mais qui nous ont bien divertis. Juste à côté, nous avons Summer et Isaiah. Summer... ouais, on va se mettre comme ça, Summer, merci. Summer et Isaiah qui se sont mis ensemble dès leur première rencontre et qui ont tout de suite très très bien accroché. Mais qui, c'est vrai que sur la fin, se sont un petit peu éloignés. Ils sont montés très vite et puis ils sont un petit peu redescendus. Mais ils sont quand même bien en ce moment, à l'heure actuelle. Et puis, les derniers mais pas les moindres, nous avons Raph et Lucie qui... n'étaient pas forcément... enfin, je pense pas qu'ils ne se sont pas plus dès le début, mais qui ont
pas forcément été l'un vers l'autre au départ et qui sont partis tranquillement tester un petit peu leur potentielle compatibilité avec d'autres, mais qui sont revenus, qui sont venus l'un vers l'autre à la fin. Et Raphaël est la, enfin Lucie est la seule fille pour qui Raphaël a réussi à s'ouvrir depuis son ex. Et ça c'est beau. Voilà. Donc pour départager les gagnants de ces trios, enfin de ces trois duos, ce sont eux qui vont voter. Vous le savez, c'est comme ça dans l'émission. Donc en théorie, les couples vont voter, de mettre un petit papier dans une petite urne pour dire « je pense que tel couple devrait gagner ». Merci beaucoup Sinclair pour le follow. Et là évidemment, on ne peut pas faire ça en jeu, donc on va se baser sur leur relation. Puisque bah, c'est souvent comme ça, t'as envie que ton pote gagne ou que ton machin gagne et tout. Et en plus, ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Donc ouais, j'essaie de faire traîner Marianne. Et en plus, ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Donc c'est les relations qui vont influencer les votes. Forcément, t'as envie de... si tu peux pas voter pour ton propre couple, tu vas voter pour le couple de ton pote. Donc ça sera en fonction des affinités. Ça va, vous ? Sinon, voilà. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? En vrai, c'est différent de ce que j'avais imaginé comme finale, parce que enfin, c'est ce que je voulais faire de base, mais j'imaginais qu'il y avait Rasmi et Célina. Et du coup, c'était moins serré parce que Ratmi et Célina étaient moins appréciés. Donc je savais déjà un peu d'avance que les autres n'allaient pas forcément voter pour eux. Donc c'était ça qui... Mais là, en fait, c'est un peu plus serré parce que j'ai l'impression que tous les couples s'apprécient. Ils sont tous devenus amis entre-temps. Et du coup, je me dis que même moi, là, je suis plus trop sûre de qui a la plus haute relation et en même temps les meilleures... affinité avec les autres candidats. Les anciens ne peuvent pas revenir pour la finale. J'y ai pensé, mais je t'avoue que j'ai la flemme. Parce que ça va être compliqué à gérer. Peut-être je ferai ça, vous allez voir pour demain, pour la réunion, je ferai un petit truc avec tous les candidats, mais là, j'ai un peu la flemme. Je ferai ça version machine numéro. Je suis plus sûre non plus. T'as vu, hein, ça devient un peu compliqué, là. Vous voulez découvrir un autre secret? Oui, je peux vous en offrir un. Alors, qui c'est, de qui, là, vous avez pas le secret? Summer Isaiah, vous avez. Vanessa Quentin, vous avez. Raph, vous avez. Lucie, vous avez. Lucie, vous avez. Je me souviens plus ce que c'est le secret de Lucie, mais je pense qu'on l'a. J'ai oublié. Oh. Attendez. Mais pourquoi je la vois pas, Lucie? Ah, y a. Ah, mais oui, c'est un des premiers secrets qu'on a découvert. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous les avez tous, en fait. Pas de bol. Pas de bol. Mais il reste 18 secondes, donc c'est bon, je peux commencer. Du coup, on va commencer par de gauche à droite. Alors, Quentin et Vanessa, leur relation, ok, bon, ils sont sur un 100%. Regarde le Google Doc, allez, sinon j'ai tout noté. Pour les secrets. Attends. Là, on est à 100%. Au niveau... Ça, c'est Quentin-Vanessa. Quentin-Vanessa, on est sur du 100%. Oh, mais dis donc, Marianne. So efficace. Là, on est sur du 100%, donc déjà, on peut pas faire mieux au niveau de leur relation. Ils sont boyfriend and girlfriend. Bah, en fait, ils sont tous là. Ils sont tous dans des relations longues. Et alors au niveau des autres relations, Quentin-Vanessa, donc Quentin est très proche de Raphaël, ils sont à 100% d'amitié, c'est vraiment son bro, tu vois. Il est à 100 avec Raph, donc là je pense que c'est difficile à battre parce qu'il est que à 42 avec Isaiah. Et il est à 43 avec Summer. Et il est à combien avec Lucie? 60. Donc, il n'y a pas trop de doute, je pense, pour qui Quentin va voter. Chaque candidat vote pour une autre personne ou c'est le couple qui vote? Moi, je pense que c'est une personne qui vote. Une personne qui vote pour un couple. Donc là, Quentin, il vote pour Raphaël et Lucie. Ah oui, il n'y a qu'une personne qui a voté pour Summer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous les aimiez trop avant. Quentin, il vote pour son bro. Voilà. Et en plus, il s'entend bien avec Lucie aussi. Donc, voilà. Quant à Vanessa, elle... bah, je crois que... Ah oui, Raphaël, elle l'apprécie beaucoup aussi. On est sur du 80 avec Raph.
du 62 avec Lucie. C'est vrai qu'elles sont devenues bonnes amies. Et avec Summer, on est sur du 49. Et Isaiah, 45. Donc, pas de doute non plus. Vanessa vote pour... Attends, mais qu'est-ce que j'ai écrit ? Raphaël et Lucie, voilà. Vanessa... Donc là, il y a deux votes pour Raphaël et Lucie, tu vois. C'est serré, là, prédit. Hein. Ouais. En fait, c'est serré, pas en nombre de personnes, mais en nombre de d'argent parié. C'est fou. Donc là, il y a deux votes pour Raphaël et Lucie. OK. Ensuite, on va bouger au prochain couple. Au prochain couple, pardon, j'ai fait un bruit avec... Alors, Summer et lui ont 74 et 100, donc ils sont un petit peu moins hauts que Quentin et Vanessa. Alors, Quentin, il l'apprécie à 42%. Et sa partenaire, Vanessa, 45. OK. 42, 45. Quant à Lucie et Raphaël, on est sur du 39... 33. Donc Isaiah va voter Quentin et Vanessa. Ok. Summer, quant à elle, Vanessa 49, Lucie 57. Ok. Raphaël 54, Quentin 43. Ah ! Ça, c'est un couple qui va pas voter pareil. C'est trop rigolo. Donc Summer va voter Raph et Lucie. Bon, bah, écoutez, parce que là, du coup... Ah bah si, ça dépend, attends, qui vote... Ça dépend qui vote, j'allais dire c'est fini, mais non. Lucie, tu votes qui, toi ? Lucie, tu votes qui ? Lucie, Summer, 57. Vanessa, 62. Ok. Quentin, 60. Isaiah, 39. Attends, j'ai oublié. Summer, 57. Vanessa, 62. Donc... Lucie vote Quentin et Vanessa. Donc là, on a trois. Donc si... mais on va être ex-aequo. Parce que Raph, c'est obligé, il vote pour son pote. Donc il faut qu'on les départage avec leur relation. Attendez. Mais ils sont à 100%. Ouais, tout compte. Je suis d'accord, j'allais dire les sentiments après. Du coup, Raph va voter. Hein, il y a un suspense monstre. Raph, tu votes pour, oui, Vanessa et Quentin. Hein, voilà. Donc, on a une égalité Quentin-Vanessa. Et Raph-Lucie. Trois votes. Pour la relation, Lucie a demandé... Ça n'a aucun équivalent. Au niveau de la relation, ils sont à 100%. Enfin, ils sont à 100-100. Et Raph et Vanessa sont également à 100-100. Maintenant, on va ouvrir un petit peu le panneau ici. On est attiré, très satisfait. Ah, connexion profonde, blessé. Compatibilité exceptionnelle. Attendez, c'est pas fini. Relation torride. Âme sœur, partenaire, compatibilité exceptionnelle, torride. Très satisfait, attiré. Ok. Il a quoi ? Ça, c'était qui ? C'était Quentin ? Du coup, j'ouvre Vanessa. Vanessa, elle a quoi pour Quentin ? Attirée, très satisfaite. Très bien. Elle est un peu blessée, mais on retient. Ok. Quant à Raph envers Lucie, âme sœur, bonne compatibilité. Relation saine. Et là, par contre, ils sont énormément... Ils sont âmes sœurs. Ouais, mais les autres aussi sont âmes sœurs. Ils sont tous les deux âmes sœurs. Par contre, les autres, ils ont une compatibilité exceptionnelle. Alors, attendez, là, ça devient compliqué. Parce que t'as Raph et Lucie. Ils ont qu'une seule, une bonne compatibilité. Mais par contre, ils ont la blinde de sentiments. Et surtout, leur relation est saine. C'est chaud de départager. Parce que qui sommes-nous pour juger s'il vaut mieux une relation saine ou une relation torride, tu vois ? Une relation saine, ça vaut plus que torride. Tu penses, toi ? D'accord. J'ai dit à l'instant, qui sommes-nous pour juger ? Bah, Léa, elle a dit, bah, on est nous, quoi. En plus, elle a demandé en mariage. Je suis assez d'accord avec vous pour dire que les... Même si c'est très serré, ça parle un petit peu plus. Attirance neutre. Ah ouais, par contre, attirance neutre.
Et pardon, Lucie, elle a quoi pour Raph? Elle a attirance neutre aussi ou pas? Impression neutre, ouais. Mais par contre, elle est en adoration, il est mordu. Et tout à l'heure, il lui a dit... tu sais quoi, ça a été merveilleux de passer du temps avec toi, j'aimerais qu'on continue. Ça aussi, c'est à prendre en compte, non? La réputation, je pense qu'ils sont tous... Très bonne réputation, là. Très bonne réputation. Je pense que malheureusement, ça va être serré, là aussi. Ah, bonne réputation. Bonne réputation. Après, est-ce que les réputations, ça a un impact sur les couples? Je sais pas trop. Alors que Vanessa est blessée, c'est vrai. Attirance neutre, c'est encore plus fou. Ils sont pas attirés de ouf et pourtant, ils sont ensemble. Bon, bah, alors, je pense que c'est assez clair, hein. Je crois qu'on a nos gagnants sous les yeux, en fait. Et la demande en mariage, mais ouais. Mais c'est marrant parce qu'on est d'accord que ce couple, il y a 2 épisodes, il n'existait pas. Et là, ils sont non seulement remontés dans nos petits cœurs, mais aussi... Ils ont prouvé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, en fait. Même en étant à fond Kenessa. Mais moi, Kenessa, c'est mes ride or die. Ah bah ouais, du coup, Prisang... C'est le couple auquel on croyait pas, non? Ben, il y a 2 jours, on n'y pensait même pas, ils sont number one. Mais je vous jure que le kiss and grind de tout à l'heure au date, je me suis dit, go faire un let's play sur eux, quoi. Je vous jure. Après, tous les couples sont très mignons. Hein, voilà. Mais c'est marrant parce que, en fait, à chaque épisode, on avait un couple préféré, je trouve. Il y a eu un moment où on voulait vraiment que Summer et Isaiah gagnent, tu vois. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas parié 1 peso sur eux. Ah si, vous avez parié 20 fiaki sur eux, quoi. C'est rien du tout. Quentin, toujours Quentin, c'est ma vie. C'est ma vie tout entière. Mais écoutez, je crois que voici nos gagnants. Voici nos gagnants de la première édition du Perfect Match. Et pour ça, du coup, je vais évidemment mettre en pause cette petite musique. Attendez, hop. Et vous mettre celle-ci à la place. Ah! On les a moins montrés, ils faisaient rien aussi. Bah ouais, c'est vrai, hein. On ne s'était pas de notre faute. Maintenant que c'est la fin, je vous l'avoue, Summer Isaiah, j'ai jamais accroché. Moi non plus, j'étais pas hyper fan. À voir après ce qu'ils deviennent, s'ils restent ensemble, ce qui se passe pour eux un petit peu dans l'avenir. Mais en tout cas, voici nos petits gagnants. Et je pense que ça vaut un petit bisou, un petit kiss and grind là, pour qu'on, hein, pour qu'on se mette un petit peu l'eau à la bouche. Bravo à vous, vous venez de remporter 50 000 balles. Ça va être sympa aussi, je pense. Hein, c'est plutôt mignon. On va faire une passionnette make-out. Hein. Ça leur va tellement bien de se passionner le make-out. Ils sont trop choux! Bravo à vous, les amoureux. Parce que je pense qu'ils sont réellement amoureux. Hein. Je les aime trop. Je les aime trop. Tu vois ce qu'ils sont devenus. Mais oui, demain du coup on se retrouve pour le bilan de l'émission. On va savoir qui est ensemble, qui est séparé, ce que sont devenus aussi les autres candidats. Ça va être génial. Ça va être génial et j'ai trop hâte de les retrouver un an plus tard. Avec sûrement quelques cheveux en moins parce que vous connaissez mon amour pour couper les cheveux de tout le monde quand il y a du temps qui est passé. Le bilan, que sont-ils devenus, The Reunion? C'est demain, 19h. Ne manquez pas ça, ça va être incre. Ça va être incre. Premier deck, je crois qu'aucun couple ne pourrait marcher. En vrai, probablement. Mais c'est ça la beauté des émissions de télé-réalité. C'est ça qui est beau. Vraiment, c'est ça qui est beau. Attendez, je me surpose, qu'il ne fasse pas n'importe quoi non plus. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette petite finale vous a fait plaisir, vous a régalé. Que cette semaine aussi spéciale vous a régalé. Même s'il y a encore demain. Demain, c'est un épisode un peu différent. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié faire cette semaine spéciale. Et j'espère qu'on en fera d'autres. Alors, pas forcément... sur Perfect Match ou des émissions de télé-réalité et tout, même si j'aime beaucoup ça et que j'aimerais bien adapter aussi un autre concept de télé-réalité. Si Kali me donne Lucie, ils vivront ensemble la vie. Trop chou, bien sûr je te la donne. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir créer d'autres. Mais ces petits candidats auront toujours une place spéciale, je pense, pour nous parce qu'ils sont un petit peu uniques, quoi. C'est nos premiers bébés de télé-réalité, quoi. Merci à vous d'avoir été là. Attendez, je relance la musique parce qu'elle nous manque quand elle est pas là.
J'ai entendu une voix ou j'ai rêvé là? J'entends des voix ou... Ah mais oui, j'entends pas des voix. Je m'entends là, ok. Il y a eu deux Cali pendant l'espace d'une seconde là. Merci à vous d'avoir suivi ce petit... First Gen, c'est ça. Merci à vous d'avoir suivi ce petit épisode, ce final. On se retrouve demain à 19h pour le après, the reunion. Et voilà, merci à vous d'avoir été là. Merci à la modération d'avoir modérationné. Un grand merci à Marianne de m'avoir aidé cet après-midi et les jours précédents aussi d'ailleurs à organiser un petit peu ça, à brainstormer, à voir un peu ce qu'on pouvait faire pour que ça soit le plus fluide possible et tout ça et tout ça. Et à préparer la réunion de demain qui n'aurait pas du tout eu la même saveur parce que Marianne, elle clip plus vite que son ombre et grâce à elle, on va pouvoir revivre des petits moments très sympathiques. Donc merci à toi, merci pour tout. Marianne MVP, bah ça tu l'as dit. Marianne qui l'épingle. Et puis rappelle-nous les LA, vas-y. J'ai épinglé pour mon ego, t'as bien raison. Inolab pour Marianne, ouais les petits applauses pour Marianne. Sans Marianne, pas de Raph. Et oui, du coup, voilà, on n'aurait pas eu de gagnant non plus. Merci à vous d'avoir été là. À demain. Passez une bonne soirée. Bisous. Bye. À demain. Bye. Perfect match tonight.